Est-ce qu'on peut s'assurer que Nicolas Maille nous entend bien? Oui, je vous entends très bien, merci. C'est parfait. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour à tout le monde. Bien, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous allons donc dès à présent, histoire de ne pas prendre de retard, poursuivre nos échanges et nos partages d'expériences autour de la notion d'auteur dans l'écriture en sciences sociales, des auteurs souvent au pluriel, des points de vue et des relations entre enquêteurs et enquêtés. Avec nos cinq intervenants cet après-midi, Fanny Dujardin, qui est chercheuse et documentariste, Nicolas Maille en visio, mais qui sera avec nous tout à l'heure, anthropologue et cinéaste, Marie-Charlotte Calafat, conservatrice du patrimoine et commissaire d'exposition ici au MUCEM, Shora Macarini, anthropologue et réalisatrice, et Yvan Jablonka, historien et écrivain. L'histoire est une littérature, comme vous dites, peut-être pas tout à fait comme les autres, mais nous y reviendrons. J'en profite avant de donner la parole très vite à Fanny Dujardin pour remercier nos traductrices en langue des signes qui nous accompagnent tout au long de cette manifestation. Fanny Dujardin, vous êtes une jeune chercheuse, vous êtes doctorante et artiste sonore, plutôt que documentariste d'ailleurs, c'est plutôt le terme qui vous caractérise. Vous faites une thèse sur le documentaire sonore avec un titre que je trouve magnifique et qui s'intègre merveilleusement bien dans cette table ronde, Écrire avec la voix des autres. Vous allez tout de suite nous parler des projets que vous avez menés et que vous continuez à diriger. Merci beaucoup et merci pour cette invitation dans cette table ronde. Donc, comme vous l'avez dit, je vais parler depuis ma place de doctorante en chercheuse en art sur le documentaire sonore et d'autrice en documentaire radiophonique. Pour décrire en deux mots le documentaire sonore, qui est peut-être moins connu que ses homologues du côté du cinéma ou des littératures de terrain. Je reprendrai les mots de Kay Mortley, elle-même réalisatrice radiophonique, qui décrit le documentaire sonore de création comme un type de radio dont le but est moins d'instruire et d'informer que d'écrire un univers au sens large, tissé de sons réels. Et ce sont des formes qui se composent de sons, de silences, de paroles et de musique. Aujourd'hui, je vais parler de deux expériences différentes qui touchent à la place de l'autrice dans mes pratiques de création sonore. La première, c'est l'écriture à plusieurs au sein d'un collectif de création radiophonique qui s'appelle Copie Carbone et qui est basé ici à Marseille. Et la seconde est la réalisation d'un documentaire sonore sur un groupe d'enfants dans un projet intitulé L'Échappée, co-réalisé avec Claire Messager, qui est documentariste sonore également à Rennes. Donc, tout d'abord, une autorialité multiple, la question d'un processus de création collective au sein de Copie Carbone. Donc, ce collectif, Copie Carbone, s'est formé à l'automne 2018 lors de la lutte contre la rénovation de la Plaine, la place Jean Jaurès, par la ville de Marseille. Et il s'agissait alors de capter, dans l'urgence, un moment de crise dans la vie d'un quartier, de témoigner de la polyphonie qui s'exprimait dans les assemblées, dans les manifestations, dans les occupations, de fabriquer une archive de la lutte, mais aussi de réfléchir sur le rapport des corps, collectifs et individuels, à la ville et sur la fabrique de l'espace public par les politiques urbaines. Après ces événements,
Copy Carbone, désormais constituée en association et formée d'une dizaine de personnes, a continué à fabriquer à Marseille des créations sonores documentaires, toujours à plusieurs mains, et à proposer des séances d'écoute. Quel est désormais notre mode de fonctionnement à plusieurs auteurs et autrices, et quels effets cette écriture collective a-t-elle sur notre esthétique documentaire ? Eh bien, lorsque nous entamons une création, nous commençons par des temps de discussion collective, lors desquels nous nous mettons d'accord sur un thème commun et sur plusieurs manières de l'aborder. Chacune apporte des envies, des références, des idées de forme ou de terrain à explorer. Et par exemple, pour la pièce La première fois, que nous avions créée à l'invitation du festival de cinéma du même nom, plusieurs thématiques sont ressorties. La première fois comme expérience amoureuse, sexuelle, cognitive ou encore technologique. Les machines s'avérant très présentes en fait dans nos premières fois, comme vous allez l'entendre tout à l'heure dans un extrait, de la naissance d'une idée confiée à un dictaphone, à l'apprentissage d'une langue qui passe par une application, ou encore de l'invasion de nos vies quotidiennes par les objets de consommation à la question de la réappropriation émancipatrice des sextoys par les femmes. Ces discussions collectives donnent lieu à la réalisation de plusieurs formes courtes, créées individuellement ou à plusieurs, avant d'intégrer un montage collectif que nous tissons ensemble. À l'origine, cette écriture collective, son esthétique polyphonique, répondait à un enjeu politique d'une place à défendre la plaine, et l'écriture plurielle rejoignait le genre des radios d'intervention ou des enquêtes collectives et des manifestes écrits au nous. Après cet épisode, notre écriture a plutôt évolué vers le collage, vers l'essai poétique documentaire, c'est-à-dire que les pièces sont faites de plusieurs voix, de plusieurs textures sonores et histoires entre lesquelles apparaissent des résonances, et chaque fragment se met à dire un peu autre chose que ce qu'il aurait dit tout seul. Ce qui contribue à faire apparaître une question transversale au cœur de la pièce. Par exemple, au cœur de La première fois, c'était finalement l'idée d'un basculement, une rupture qui s'accompagnait de sensations paradoxales, un mélange parfois de douceur et de violence, de familiarité et d'étrangeté, un surgissement qui n'est vécu comme tel qu'après coup. Donc on peut maintenant écouter un extrait de la pièce La première fois, que j'ai un peu raccourci pour l'occasion. Tu es vin combien? Non. Tu es vous combien? Non. Tu es une vous? Ah, I don't know. Tu en veux combien? Tu en veux combien? Veux. Tu en veux? Tu veux. En veux. 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 Yeah. Veux. Veux. Tu en veux? Veux. 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 Où tem som de ó? Ué, tem ar. Eu não entendo nada, eu não entendo nada. Eles mudam. Quê? Eles mudam. Mudam. Não. Mudam. Eles mudam. Eles mudam. Mudam. Tu me disse, eles mudam. Eles mudam de número a cada. Voilà, ok pour la télévision. Voilà. L'image est à l'envers. Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Voici le premier pas. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Et il marche maintenant. Déjà, on avait commencé par pouvoir s'éloigner de la base. C'était le fixe qu'on pouvait déplacer. Puis après ça, il y a eu le téléphone portable, enfin... C'est vrai que c'est assez extraordinaire, quand même. FaceTime, voilà. Quand on s'appelle par FaceTime, j'ai cette musiquette-là. Là, si tu décroches. Et alors, je décroche comment? Là. Allô? Ouais, allô? Ouais, allô? Eh ben, vas-y, parle-moi au moins. Oui, oui, bah, oui. Oui, bah, oui.
Ben vas-y. 1, 2, 3. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, mais je comprends pas pourquoi tu m'appelles comme ça. Attends, je comprends pas, parce que j'ai l'impression que ça vient de ma voix sort de ta tablette. Ben oui, mais... Ben bien sûr qu'elle sort de là, mais je t'entends aussi, alors c'est... Mais c'est une histoire de fou, ça. Mais jamais c'est arrivé, ça. Il est dingue quand ton téléphone, c'est pas vrai, hein. Mais c'est pas mon téléphone, c'est... C'est toi qui es dingue. Voilà, donc c'était la fin de cet extrait qui montre un peu la tonalité un peu humoristique que peut aussi apporter ce style de collage documentaire pour explorer une thématique en fait qui touche à plein d'aspects, de la notion de première fois. Cet extrait me permet de terminer cette première partie sur l'exemple du collectif Copy Carbone et de la notion de coécriture dans le cadre d'un travail de création collective et de passer à une seconde partie puisque les enjeux de l'autorité sont très différents quand on parle d'un groupe de pairs, d'un groupe d'auteurs et d'autrices qui pratiquent ensemble et d'un autre versant qui concernerait plutôt les rapports entre la documentariste et les personnes qu'elle enregistre, qui, elles, n'ont pas de pratique radiophonique préexistante à la rencontre et où peuvent se jouer d'autres types d'inégalités, enfin justement des questions d'asymétrie, de rapports de domination, etc., qui nous interrogent beaucoup en tant que documentariste sonore. Donc pour évoquer ce deuxième angle, je vais parler d'un projet que j'ai co-réalisé avec Claire Messager, qui s'appelle L'Échappée, qui est un documentaire sonore tourné cet été et qui sera bientôt diffusé sur Bandcamp à partir du 26 juin et peut-être sur Radio Grenouille et dans des séances d'écoute. Donc, comment trouver sa place d'autrice sur un terrain documentaire et comment partager le micro avec les personnes enregistrées? L'exemple de L'Échappée. En août 2020, nous sommes partis dans une colonie de vacances avec une vingtaine d'enfants de 8 à 15 ans, issus de milieux sociaux variés. Le séjour était organisé par une association d'éducation populaire rennaise et avait lieu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'intention était de faire un documentaire sonore à hauteur d'enfants qui puisse restituer l'expérience des jeunes durant ce séjour, leur point de vue sur cet environnement particulier et enfin leur appréhension de la vie sur le camp, organisée selon des principes de décision collective et de partage des tâches. Nous avons fait deux choix de réalisation au début du projet. Le premier, ne pas enregistrer d'interview d'enfants, ne pas faire de voix off, se concentrer plutôt sur la parole en situation, pas sur le discours, mais sur la parole vive, sur les interactions et les scènes de groupe. Le deuxième, initier les enfants à l'enregistrement sonore en leur proposant des ateliers radio où ils pourraient s'enregistrer eux-mêmes dans l'idée d'utiliser cette matière pour le montage final et de réaliser une émission à la fin du séjour. Pourquoi avons-nous fait ces choix d'autrice? Tout d'abord, pour chercher d'autres formes de voix radiophonique, une parole agie, vécue et partagée, comme le dit Marc Piot dans un ouvrage sur l'anthropologie et le cinéma. Des voix donc prises dans des actions, dans des situations de la vie quotidienne, et pas des voix d'enfants répondant à un micro d'adulte. L'idée était par là de saisir les comportements spontanés des enfants, de leur manière de faire groupe entre pairs en les influençant le moins possible. Nous avons donc choisi une posture non interventionniste, à l'image de celle qu'on peut entendre dans d'autres documentaires sonores, comme par exemple « Dans l'ambulance » sur Arte Radio de Claire Auteur, une immersion dans le quotidien de deux ambulanciers des urgences psychiatriques. Ce parti pris de laisser venir les événements, de laisser venir des paroles qui ne sont pas provoquées par le micro, nous amener ici vers une esthétique immersive, une poétique du détail et même du presque rien, pour reprendre une expression célèbre de Luc Ferrari, alternant des temps de découverte de l'univers zadiste et des temps calmes, des temps presque creux, sous le soleil d'été, des rires d'enfants mêlés à une scène de vaisselle qui dégénère en bataille d'eau ou une tristesse passagère lors d'une chute à vélo ou encore la mort d'un insecte soudain ramené au premier plan qui interrompt une activité en cours. Nous avons donc développé une forme de documentaire d'observation. Je reprends là un mot utilisé par Christophe Deleu dans son ouvrage sur le documentaire sonore, avec une dimension ethnographique et poétique à laquelle s'ajoutaient les ateliers radio. Le choix de partager notre outil avec les enfants dans ces ateliers avait plusieurs motivations.
une motivation épistémologique, avoir un accès plus direct au point de vue des enfants, et une motivation éthique, contrevenir à la dimension surplombante que pouvait induire notre dispositif de prise de son et notre statut d'adulte preneuse de son. Et du coup, permettre aux enfants de voir comment ça fait de faire de la radio et aller vers un partage de l'autorité avec ses enfants. Cette co-autorialité était toutefois partielle, puisque nous avons quand même gardé la main sur le montage final. Et même si nous avons réalisé une émission sur la colonie avec les enfants. Quelques remarques rapides sur nos réflexions, le déroulé du projet et les questions que ça nous a amenées. La présence des micros a été bien accueillie, notamment grâce à la familiarisation des enfants avec les outils de prise de son lors des ateliers. Mais nous avons remarqué que l'atelier n'avait pas été investi par tous les jeunes de la même façon. Il semble qu'il ait plutôt favorisé des enfants qui avaient des dispositions sociales, d'âge, de genre ou de classe sociale, qui les rendaient plus à l'aise avec cette pratique, encore proche de la norme scolaire. Il y aurait donc un travail plus approfondi à mener sur une déconstruction du cadre de l'atelier pour l'ouvrir à une multiplicité de manières de s'en saisir. D'autre part, les ateliers ont, comme dans beaucoup de cas où des artistes fabriquent des contenus avec des populations, un statut ambigu. À la fois, nous permettions aux enfants de faire leur propre radio, mais nous les invitions à fabriquer des éléments de narration sur lesquels nous allions in fine garder la main dans un montage global. Ce qui pose donc une question ouverte de l'appropriation de la matière sonore créée dans les ateliers par les auteurs. Enfin, dernière question, celle de notre posture quand nous étions face à des scènes de conflits, de disputes ou de moments de fragilité, et la question de la limite, toujours délicate, de qu'est-ce que nous enregistrons et qu'est-ce que nous décidons de ne pas enregistrer, et la nécessité de construire des relations de confiance avec les enfants. Pour conclure cette présentation, je voulais rapidement évoquer l'évolution de notre dispositif dans ce documentaire vers le jeu, puisque au cours du projet, nous avons essayé de faire évoluer notre manière de nous positionner et de faire émerger différentes situations de parole. Et l'une de ces méthodes a été de nous rendre disponibles pour partager le micro sur des temps informels avec les enfants, par exemple lors d'un match de foot improvisé, ou lors d'un temps libre où un groupe de garçons s'était lancé dans un chantier archéologique, ayant trouvé des os d'animaux dans le sol et entrepris d'en reconstituer le squelette. Dans ces moments, l'outil radio s'est avéré particulièrement pertinent, car il venait s'intégrer à un jeu initié par les enfants et participer à celui-ci. Le micro donnait donc au jeu en cours une dimension fictionnelle, un hors-champ, un potentiel public d'auditeurs et d'auditrices, et faisait apparaître des personnages. Dans le match de foot, un commentateur sportif, et dans le chantier de fouilles, un journaliste scientifique interrogeant les archéologues sur leurs découvertes. Le micro devenait donc ici un accessoire de déguisement, et le détour par la fiction permettait aux enfants d'improviser au micro sans trop livrer de soi, de jouer à faire de la radio dans une double adresse, à la fois aux auditeurs et aux auditrices potentiels et à leurs camarades de jeu. Grâce à ce dispositif, nous pouvions alors dépasser l'observation participante et le format atelier, car le micro était à l'intérieur du jeu et donnait à entendre l'imaginaire et les interactions des enfants de l'intérieur. Et donc pour finir, nous pouvons écouter un extrait d'une petite minute de ce chantier archéologique. Bonjour, monsieur Matisse. Bonjour. Que fais-tu ? Bah, je déterre le squelette qu'on a découvert et les autres l'assemblent. Vous pensez que c'est quoi comme animal ? Une poule. Peut-être une poule, parce que là-bas c'est un poulailler, donc il y a beaucoup de poules qui meurent parfois. D'accord. Toi, tu essayes de construire quoi en ce moment ? Je suis en train de faire la colonne vertébrale. J'ai déjà 3 vertèbres que j'ai assemblées. Et puis là, maintenant, il y en a une 4e. Il y en a une 5e, une 6e. Après, on a un bassin, un petit bassin de mammifères. Et comment vous faites pour reconnaître les os que vous assemblez ensemble ? On reconnaît quoi. Ça, par exemple, ça ressemble à une colonne vertébrale, ça se voit très bien. Là, il y a les os allongés vers la droite. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et là, je viens de trouver un autre bassin. Donc, j'ai 2 bassins.
Merci beaucoup, Fanny. Vous voulez dire un petit mot de conclusion? Peut-être plus tard dans les, enfin, dans les échanges, au moment des échanges. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Merci à vous. Et vous avez parfaitement tenu la montre. Hein. Bon exemple à suivre pour les suivants. Nous allons retrouver Nicolas Maille. Nicolas, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Là, je me manifeste aussi au niveau visuel. Voilà, formidable. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, vous êtes anthropologue et cinéaste. Je précise que vous avez mené un important travail sur les migrants qui vendent leur corps et leur amour, sur les travailleurs du sexe, et c'est sur cette expérience que vous allez revenir aujourd'hui pour nous la présenter. Nous vous écoutons. Ok, merci. Merci pour cette invitation et pour cette occasion de discuter de mon travail avec des collègues qui ont partagé des expériences. Je suis ravi de cette opportunité. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de faire un petit parcours par rapport à mon parcours, je veux dire, de réalisateur et d'anthropologue, sociologue qui sont très intégrés comme parcours parce que j'ai toujours utilisé le cinéma, inspiré bien sûr par Jeanne Rouch, comme utile pour manifester la réalité et pas seulement pour la documenter. Et je voudrais commencer mon intervention par parler d'où je viens. Au niveau scientifique, j'étais formé en Angleterre dans les années 90, au moment où il y avait les Media and Cultural Studies, qui est une discipline qui départ de la conceptualisation des identités comme construites socialement et aussi de la notion de la représentation comme constitutive de la réalité. Donc ça aussi, ça va dans la direction dans laquelle la représentation et la réalité ne sont pas distinguables, ne sont pas séparables. Pardon, ça fait quand même 9 mois que je ne parle pas français. Parce que je suis coincé ici au Royaume-Uni, donc peut-être qu'il y a quelquefois des paroles, des mots qui me manquent. Ok, et dans ce cadre-là aussi épistémologique, dans les années 90 en Angleterre, il y a eu l'impact, comme il y a eu dans le monde entier, du bouquin Writing Culture de George Marcus et James Clifford, qui a perturbé la différence entre auteurs et participant de la recherche. Et donc, mon expérience et mon bagage culturel est celui-là, au niveau scientifique anthropologique. J'ai toujours voulu, en tant que réalisateur, représenter les outils de la recherche et aussi la dimension sensorielle, interpersonnelle et sensuelle des échanges entre chercheurs et cherchés, recherchés, entre sujets de recherche et chercheurs, pour pouvoir vraiment partager cette expérience avec le public. Parce que, comme j'ai théorisé aussi dans mes travaux, mais comme ça a été fait par plusieurs collègues, la connaissance est quelque chose qu'on n'extrait pas des gens, c'est quelque chose qui se forme entre la personne qui gère, qui mène la recherche et la personne qui fait l'objet de la recherche. Donc, c'est une connaissance partagée. Si on ne veut pas les reconnaître, c'est un problème parce que c'est toujours ça. Et donc, moi, je voulais toujours mettre en scène ces partages. Mais comment est-ce que je peux faire ça dans un domaine comme celui du travail sexuel qui est hyper stigmatisé, surtout parce que moi, je me concentre sur les vies des personnes qui sont migrantes et travaillent dans l'industrie du sexe et donc qui sont stigmatisées par rapport au travail sexuel, mais aussi par rapport aux papiers ou à la faute des papiers, pardon, la manque des papiers et multiples niveaux de stigmatisation. Et donc, moi, j'étais quelque part forcé ou très encouragé à utiliser la fiction dans différentes façons que je vais vous montrer, pour permettre paradoxalement aux personnes directement concernées de s'exprimer directement. Si je mettais un microphone, une caméra devant le vrai témoin, que je conteste au niveau postmoderne, vraiment,
parce que tout le monde performe. Moi, je suis en train de performer. Et donc, nous existons grâce à la performance de notre identité. C'est pour ça que j'ai fait référence aussi à la pratique de Media and Cultural Studies. Donc, si j'ai mis un microphone et aussi... microphone, peut-être pas, mais la caméra en face de quelqu'un qui est stigmatisé, la version que je vais... Tout d'un coup, je vais parler que des activistes, des personnes qui prennent cette parole publiquement, donc la minorité des personnes directement concernées, et peut-être pas les personnes moins privilégiées. Et on peut écouter que les versions acceptables au niveau moral. Donc, je tapine pour donner l'argent à mes enfants parce que je suis victime de la traite. Et donc, je n'assume pas la honte d'avoir décidé que peut-être c'était mieux de faire ça plutôt que de travailler dans un McDo. Parce que ça me stigmatise. Parce que si je suis une femme qui je ramène l'argent pour les enfants, je suis une bonne femme. Et les mots stigmatisants qu'on utilise pour une femme qui fait ça comme choix, c'est « hute ». Et donc, on connaît bien que c'est très lourd à assumer au niveau public. Donc, au début de mon parcours de cinéaste, j'étais aussi gênée par le fait que moi, j'avais accès, grâce aux méthodes que j'ai faites, moi, normalement, je n'enregistrais pas, je prends des notes pour pouvoir vraiment laisser les gens en sécurité. Et aussi pouvoir aussi écouter les histoires complexes desquelles j'avais besoin pour théoriser et comprendre la agency, leur capacité d'agir, la gentilité des gens, au-delà des discours moralisants et humanitaires qui dominent les représentations du travail sexuel, parce que là, on est particulièrement en France, qui est un parti, qui est un pays abolitionniste. C'est très difficile de parler de cette question, au niveau public surtout. Donc, j'ai utilisé dans mon premier film normal, de laquelle je voudrais vous montrer, duquel je voulais vous montrer la bande-annonce, j'ai utilisé des acteurs, paradoxalement, pour permettre à des histoires, à des personnes, à des entretiens que moi j'avais vraiment fait, d'être partagés avec vous. Donc, si vous pouvez montrer la bande-annonce de Normal, s'il vous plaît. How are you? Okay. Did you have a nice week? It was okay. How's business? How's work? Normal. I treat them with respect and I treat them with kindness and I treat them like we are in it together so they are not going to fuck me up later on. And the more I hit, more I hate. Love doesn't exist there. I'm not a pimp. That was not my position. What was your position? Being told what to do. As a girl, as a woman, being a prostitute, that was my position. Being the victim, just like every prostitute. It is easier to protect yourself if you are a victim. And also, it is easier to protect your soul if you are a victim, because then somebody else is responsible for what is happening to you. Men like it. Men want my cock. And all of a sudden, it is my cock that is the cock is the breadwinner, yeah. A man in the office, you know, he uses his brain to work, or like, you know, he works with his brain. Some men work with his fingers, some men work with his hands. Now, I work with my dick, and it is normal. It's still me, you know. Voilà, donc Normal, c'était vraiment un moment pour moi d'essayer de faire passer des histoires qui ne sont pas normatives. Non, il y a les mineurs qui se prostituent, qui revendiquent quelque part sa décision. Ça, ce n'est pas possible par rapport à la loi, par exemple, parce que ce sont toutes victimes de la traite, les enfants, qui, même les jeunes, même les adolescents. Après, les victimes de la traite qui parlent des nuances de ce qu'elles ont vécu. Tout ça parce que c'est difficile pour les personnes qui sont écoutées par les autorités humanitaires de donner de la complexité, parce que ça peut démonter leur cas. Donc,
On a aussi dans la salle mon ami Shora Makarami qui a bien étudié ces questions des histoires et des frontières humanitaires. Donc, je me relonge pas trop là-dessus. Et voilà, après, dans mon parcours, je voulais montrer l'acte anthropologique d'observation participante. Et donc, le geste ethnographique. Et c'est pour ça que j'ai développé ici à Marseille, grâce à un accueil à l'IMERA, à l'Institut des hautes études de l'Université d'Aix-Marseille, ma première installation sur deux écrans, Samira, qui est basée sur une vraie expérience, encore une fois, des recherches ethnographiques avec les femmes transgenres d'origine maghrébine qui se prostituent sur les trottoirs la nuit, surtout dans les centres-villes. C'est un groupe social plutôt historique à Marseille. Et donc là, je me suis mis en scène, moi, autant que chercheur. Dans le normal, je pose des questions, mais on ne me voit pas. Mais dans le normal, dans Samira, je me suis mis en scène aussi dans ma démarche interpersonnelle, intersubjective. Comme je voulais montrer le jeu ethnographique dans le cadre duquel on révèle des choses de nous, même assez particulières, pour pouvoir mettre à l'aise les autres personnes. Et donc, mais encore, il y avait ces problèmes de la stigmatisation, et évidemment. Et donc, par exemple, la personne directement concernée sur laquelle l'histoire est basée, elle me disait, oui, je veux bien faire ton film, mais il faut que tu m'encadres du cou en bas. Je dis, mais oui, on ne peut pas faire un film sur des personnes décapitées quand même. Et donc, et moi surtout, je veux vraiment éviter cette iconographie pseudo-pornographique qui cache les visages des personnes directement concernées. Ça les fétichise, ça les sexualise et ça les dépersonnalise. Je trouve que c'est vraiment, ça fait partie du problème, le fait qu'on ne peut pas voir la normalité des personnes directement concernées dans l'industrie du sexe. Et donc, j'ai choisi un acteur. Donc, mes méthodes que j'avais utilisées avec Normal pour jouer les rôles de Samira. Donc, si vous pouvez faire montrer la bande-annonce de Samira. Comme tu veux. Ciao. Samira, chérie. Ça fait longtemps. Oui. Oui, ça fait vraiment longtemps que je ne te vois pas. Je t'ai appelé, tu sais, je t'ai cherché partout. Tu étais où? Des fois, je commence tôt et je rentre chez moi si j'ai assez de clients. Moi, je vais changer de vie. Bientôt, tu ne vas plus me voir ici. C'est bon, dès que j'ai les papiers, je rentre en Algérie, je ne travaille plus tout ça. Je ne suis pas comme cette pute là-bas, tu sais. Moi, je suis un vrai mec, comme mon père. Elles, leurs parents, c'est des putes et des PD. Ils acceptent, c'est comme les Français. Bon, quand même, chérie. Juste de voir comme ça, un vrai mec, ça fait pas trop. Pardon si je rigole, mais. Tu dis ça parce que t'es français. C'est pas français, moi je suis italien, tu le sais bien. Je sais que t'es italien, mais quand même, t'es français. Tes parents, ils acceptent que t'es PD, non? Oui, mais on arrivait là doucement, tu sais. Avec ma mère, c'était plus facile, mais avec mon père, il a fallu comme 30 ans. Ouais. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis algérien. D'accord? Et je suis un vrai mec comme mon père. Exactement. Attends, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il arrête pas de repasser depuis tout à l'heure. Je te laisse tranquille, chérie. Hein? Tu dois travailler? Ouais. Ok, j'y vais. Bon, ouais, j'y vais, je t'appelle. Okay, merci. Ciao. Comme tu veux. Ok, donc ça c'était Samira. Et comme vous voyez, il y a un échange très intéressant qui interpelle la connexion entre nationalité, sexualité et frontières. Donc Samira me traite des Français en m'appelant quelqu'un chuchoté qui vient du niveau du milieu européen dont les parents acceptent l'homosexualité. Et donc, elle met une vraie frontière entre moi. Elle me met à ma place, finalement. Ce qui est juste, ce qui est correct. Après, alors, mon évolution, c'était de vraiment passer pas seulement à l'inspiration,
par rapport à l'ethnofiction, mais à la mise en œuvre de l'ethnofiction. Donc, le travail que j'ai fait, grâce à un financement, encore une fois, de l'Université Aix-Marseille et grâce à l'initiative Amidex, à la Fondation Amidex, qui m'a permis de vivre dans notre ville merveilleuse. Je n'ai pas encore renoncé à cette frontérisation mise en place par ce maudit virus. Et donc j'ai fait une installation avec des femmes nigérianes en collaboration qui était soutenue par le Bus des Femmes, l'association qui est non-abolitionniste et qui a un projet de lutte contre la traite qui soutient beaucoup de femmes nigérianes qui sont représentées comme victimes de la traite, mais qui sont aussi, dans la réalité, plutôt impliquées dans ces phénomènes. Et donc, on l'a écrit ensemble. Il y avait déjà un laboratoire de théâtre dans le cadre des activités du Bus des Femmes. Donc, à la fin de ce laboratoire, moi, je me suis infiltré. Et on a fait des ateliers d'écriture collective, et donc avec 8 femmes qui ont des parcours de travail sexuel, mais aussi de traite et d'exploitation dans l'industrie du sexe. Et on a écrit un personnage collectif et une histoire collective. Et après, quand la question s'est posée, qui va jouer ces rôles, tout le monde voulait jouer le rôle de Joy, mais personne ne voulait être vu. Et identifié. Et donc, on a utilisé un mix des personnes directement impliquées dans l'écriture, donc des co-autrices de ces films, et des autres personnes qui venaient du milieu, mais qui n'étaient pas dans le milieu de la prostitution. Et donc, et des comédiennes non professionnelles. Donc, avec ça, on a pu donner la possibilité aux personnes directement concernées de s'exprimer directement sans vraiment se mettre en danger par rapport au fait d'être immédiatement identifié avec la prostitution, donc d'être stigmatisé. Et ça, c'était fait en 2016 et ça a permis aussi, comme dans les cas de Samira, le cas de Samira, comme dans les cas de normal, explose toujours les catégories humanitaires. Samira fait partie d'un groupe social reconnu en France, selon la Convention de Genève, des réfugiés, qui sont les transsexuels algériens. Et dans les films, on voit qu'elle se présente à l'OFPRA en produisant ses discours humanitaires. Mais dans la vie, on voit que c'est contradictoire parce que lorsqu'à l'OFPRA, elle raconte d'être une femme piégée dans le corps d'un homme, qui est le discours normatif de l'identité trans qu'on présente aux institutions humanitaires, à moi, elle m'a dit « Moi, je suis comme mon père, je ne suis pas un pédé comme un pute comme ces gens là-bas. » Donc, elle reproduit vraiment, il y avait des contradictions apparentes qu'après on explore dans les films. Dans Travel, on challenge encore une frontière humanitaire, que c'est celle par rapport à la traite des êtres humains, parce que Joy, la protagoniste que les femmes ont voulu raconter, elle est victime de traite, elle gagne l'asile, mais après, elle se prostitue pour pouvoir aider sa famille et aussi pour pouvoir profiter de son travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant, je veux dire, c'est très réel, ça, mais qui n'est pas trop accepté par les rhétoriques, surtout abolitionnistes, mais plus en général, d'asile politique, qui est vu comme une expérience, comme une possibilité déjà d'en sortir du milieu. Okay? Donc, si on pouvait regarder la bande-annonce de Travel, s'il vous plaît. For me to borrow, I'll give gift. My goodness. This is my big gift. They insult me. I'm working at the university, and I'm not a client, right? No, I'm not police. We are doing a study to understand what you girls think about the new law. You know the new law that puts. We are against the law, right? It's not helping us, yeah. No. Our clients are going away, so. And do you think it's the same for all of you? All the guests, we are against that. We don't like it, no. Okay. Can I ask you just a few questions? This is
confidential. I don't take your real name. I just want to understand what you think about this. Is that okay? I'm not police, I swear. We are not police. I'm not police. I'm just trying to understand what the people that are directly involved think about these things. Okay. Yeah? Yeah, okay. 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 Can I have a name, please? Like a fake name, not your real name. Yeah? Just a name. Okay, Joy. Okay, we are listening. Okay. And where are you from, Joy? Yeah. I'm from Nigeria. I can ask you a few questions. Nigeria? Yeah. And so the first question is if you decide for yourself to work, like if it was your decision to work in prostitution. No. Okay, okay. Just make it fast. Okay. Oh, so right. Did anybody force you to work in prostitution? My name is Juliet. No, but it's the situation, so... we need money, so even my family, so I need to help my family, help myself. So it's not that maybe somebody forced me or somebody don't. The question is too much, so is the situation we found ourselves here. So we the guests, we have to do is to see money. Okay. Yeah. Yeah, that's very clear. And so what do you think could help? What do you think the government should do instead? Ah, good question. So the government, they have to help us by having our paper, having money, so that we can help our family. If we don't have paper, we can't help our family. So we need this paper to work. So that is why we traveled, we Nigeria guests. Okay. So that is why we travel. We need all these things, yeah? Okay, I understand. Well, thank you very much for all of this, yeah? Thank you. I mean, I will do other questions to the other girls, but really don't worry about this, yeah? This stays with me, and we will just try to make articles to get people to understand what the people who are working here directly, okay? That is fine. Thank you very much. It's Nicola. Okay. Very nice to meet you. Okay. Okay? Nice time. Thank you. Ciao. Bye. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Ok, donc désolé, mais je n'avais pas le trailer sous-titré en français. Mais grosso modo, ça c'est la retranscription fictionnelle d'un vrai rencontre, d'une vraie rencontre qui a eu lieu dans les bois de Vincennes et dans le cadre duquel on a demandé à Joy qu'est-ce qu'elle pensait de la loi de 2016 contre le système prostitutionnel. Elle nous a dit qu'elles étaient contre, que toutes les filles étaient contre, parce que Nicolas, vous m'entendez? Je dois vous interrompre pour vous dire qu'il va falloir conclure votre propos. Merci. Merci. Et donc, cette mise en scène du geste humanitaire, pardon, du geste ethnographique, ça m'a permis de raconter, de montrer comment la connaissance s'est créée sur le terrain. Parce que quand on a posé cette question à Joy, elle a sorti une critique de la loi en disant « ça va nous empêcher de travailler, ça va nous empêcher de s'en sortir, en tout cas ». Et donc, encore une fois, cette mix des fictions et des observations et des co-créations, j'ai choisi comme méthode pour mettre en scène le geste ethnographique, mais aussi pour montrer comment les personnes directement concernées vraiment parlent des mesures et des initiatives qui les ciblent. Voilà. Donc, je me suis allongé un peu. Je termine mon intervention en disant que je suis toujours là, en tout cas, avec la méthode. Je suis toujours en train de faire des films ethnographiques avec la participation des personnes directement concernées. Et là, il y a deux films qui sortent dans le cadre d'un autre projet. Et il y a un film que j'ai fait avec des femmes translatines américaines à New York, dans lesquelles, même si le dispositif était le même de travel, elles veulent se montrer parce qu'elles sont tellement stigmatisées qu'elles ont l'habitude d'être vues. Et l'autre cas avec les femmes chinoises à Belleville, où on a utilisé des illustrations parce qu'elles voulaient se protéger. Donc, il faut toujours adapter, et ça, c'est la conclusion, vraiment, je vous promets, nos démarches artistiques, professionnelles par rapport au régime de visibilité et de stigmatisation des populations avec lesquelles on travaille. Merci. Merci Nicolas. Merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant.
je n'ai pas envie de me montrer castratrice, encore que le mot est peut-être mal choisi sur cette thématique-là, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un temps d'échange aussi, donc restez avec nous jusqu'à tout à l'heure. Marie-Charlotte Calafa, vous êtes donc conservatrice du patrimoine ici au Mucem, et vous avez travaillé également sur la notion d'auteur, notamment à travers une série d'expositions dont vous avez eu la charge. Donc je vous laisse le micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être je vais accompagner en tout cas les expériences dont je voulais vous parler avec quelques visuels. Mais peut-être un mot d'abord sur la démarche. En fait, je travaille au Mucem effectivement en tant que conservatrice, mais en charge de ce qu'on appelait le pôle histoire du musée. Il s'agit en fait plutôt de penser comment et quand les collections ont été acquises, dans quel contexte, et comment en fait on va suivre aussi une évolution de la discipline dans un musée. Donc le Mucem, c'est un musée récent, mais dont l'histoire des collections est longue, puisqu'elle remonte à la fin du 19e siècle. Le Mucem est l'héritier du Musée national des arts et traditions populaires, et donc ce que je vous propose surtout de questionner dans le cadre de cette table ronde, c'est plutôt la question de l'art populaire en réalité. L'art populaire ayant été défini comme un champ parmi l'histoire de l'art, ça a pris un peu de temps, mais principalement autour des années 20 et 30. C'est à ce moment-là que l'art populaire rentre même dans les encyclopédies d'histoire de l'art. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement quelque chose qui va avoir du mal à se définir. Et on va souvent parler de l'art populaire comme du folklore, d'ailleurs, qui est un mot anglais né au milieu du 19e siècle et qui signifie en fait l'ensemble des savoirs du peuple. L'art populaire, dans cette idée aussi, est souvent défini, et finalement à tort, comme un art anonyme. Donc, ce que j'aimerais essayer d'évoquer, c'est ça à travers des expériences aussi de ce qu'on pourrait être qualifié à quelque chose de l'ordre de l'auteur. Un commissaire d'exposition, c'est véritablement un sujet qu'on essaye de donner à voir. Et je voulais partager le cas de Roman Photo, qui est une exposition qui avait lieu ici en 2017, parce qu'en fait, c'est aussi la difficulté de la forme expo dont je pensais vous parler, d'autant encore plus, je dirais, quand on est sur une forme qui se lit, comment on le met et on le donne à voir dans des vitrines, c'est un peu un exercice de style périlleux, et comment on donne à voir ce que c'est. Et le roman photo, c'est typiquement justement une forme très, là aussi, populaire, qui, même pour le Musée des Arts et Traditions Populaires, avait été pas véritablement un sujet d'étude, donc quelque chose d'assez déprécié, où il y a assez peu d'écrits. En tout cas, on n'avait pas véritablement trouvé d'exposition conduite jusqu'alors sur ce sujet. Et ce qui était intéressant même, c'est de voir à quel point le roman photo avait pas laissé... Pourtant, alors même que c'était un sujet assez conséquent, avec un âge d'or dans les années 60, où on sait qu'un Français sur trois, par exemple, lisait du roman photo, les chiffres sont déments. Et encore aujourd'hui, le magazine qui fait du roman photo, qui s'appelle Nous Deux, vend 250 000 exemplaires par semaine. Enfin, c'est véritablement des choses qui questionnent, c'est qui sont ceux qui fabriquent ces romans photos, qui sont ceux qui les lisent. Et donc l'exposition, c'était aussi un sujet pour raconter cette forme des origines jusqu'à aujourd'hui, dans tous ces détournements, et aussi en essayant de donner un peu à voir qui en étaient les auteurs, et notamment les photographes. Et pour ça, je vous montre cette vue de l'exposition qui s'appuyait sur un fond photographique assez fascinant, puisqu'il couvre plus de trentaine d'années sur ce roman photo, et où on a les photographies en fait qui sont données à voir telles quelles, c'est-à-dire pas retravaillées, recadrées, éditées sur du mauvais papier. Et donc, c'est véritablement aussi la qualité d'un travail photographique qui pouvait être donné à voir sur les thématiques. Je vous parlais aussi de la difficulté, des fois, de raconter des choses sous la forme d'exposition. Et c'est pour ça qu'on s'appuyait aussi sur un documentaire d'Antonioni, L'Amorosa Manzonia, qui date de 49, deux ans après la création du roman photo en Italie, et qui, en finalement une quinzaine de minutes, même pas, un peu moins, racontait véritablement cette naissance
Et à côté, c'est aussi poser la question, encore une fois, de qui lit ces romans photos. Donc c'était aussi très, très tôt dans la région du Pô, donner à voir l'intérieur d'une cabane avec recouverte entièrement de ces romans photos et la famille qui l'habite. C'est aussi des expériences conduites avec un photographe pour essayer d'aller à la rencontre de lecteurs aujourd'hui de romans photos. Donc on avait choisi de travailler sur la région et on avait 12 lecteurs en fait qui nous racontaient leur expérience de lecture, pourquoi ils lisaient, comment, etc. Il y a aussi les acteurs, bien évidemment. Donc, on montrait aussi à quel point ça, c'était assez fascinant de voir comment tous les acteurs yéyé et autres avaient aussi fait du roman photo. Et je parlais un peu de la difficulté à mettre cette forme en exposition. La salle que vous voyez au fond, c'était une salle de lecture où on donnait aussi au public la possibilité de lire ce qu'étaient les romans photos d'aujourd'hui publiés dans Nous Deux. Et c'était une salle où on donnait à voir les couvertures de Nous Deux de 49 jusqu'à aujourd'hui, avec des citations qui montraient aussi ce qui était assez difficile de transmettre, mais à quel point le roman photo se faisait témoin par les photos ou par le texte de sujets de société, et d'où aussi ce sujet tout particulièrement intéressant pour le musée, à la fois pour sa dimension populaire, mais ce que ça traduit aussi de la société, des questions aussi de femmes. Et dans les avatars, ce qui était intéressant, c'est que c'est une forme très pédagogique, très justement assez efficace, et malgré le fait que on avait considéré aussi que, notamment, un bon nombre de critiques sur le roman photo émanaient aussi bien de la gauche que d'une bulle papale, même, qui mentionnait un peu ces espèces de formes littéraires comme étant des moyens de pervertir les gens. Finalement, communistes et catholiques avaient eux aussi choisi d'exploiter cette forme. Donc, on trouvait aussi intéressant ces jeux de contradictions à montrer. Et après, dans les années 60 aussi, c'est à quel point Guy Debord et les situationnistes s'en étaient emparés jusqu'à cette fin qui était celle d'une artiste féministe qui travaille, Eugenia Balcel, sur les fins de romans photos. Et donc, je passe à un deuxième exemple un peu rapidement. Là, c'est un autre cas pratique, Georges-Henri Rivière, exposition en 2018. Alors, c'est typiquement, en tout cas, un exercice de style assez passionnant, raconter l'histoire de quelqu'un qui, pour le microcosme des gens travaillant dans le musée, est encore un peu connu, mais en tout cas, clairement pas, et on en avait conscience du grand public. Mais donc, pourquoi faire une exposition sur quelqu'un qu'on ne connaît pas ? C'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Mais en même temps, c'est une histoire de vie assez fascinante, ce Georges-Henri Rivière, puisque c'est justement une figure tutélaire, finalement, pour nous au musée, puisque c'est le créateur de ce musée des arts et traditions populaires en plein Front populaire à Paris, qui va défendre son musée coûte que coûte jusqu'à sa mise à la retraite. Et l'ouverture de ce musée sera bien plus tardive, en 72 et 75. Mais donc, qu'a fait cet homme ? C'est en gros le père de la muséographie en France, grand directeur de l'ICOM, qui est l'International Council of Museums, et comme je disais, grand défenseur de ce que peut être un musée de société. Pour faire simple, c'était un homme dont l'histoire est passionnante. Il était en fait plutôt dans le monde du jazz, devait être pianiste, et en fait, il se définit comme un musicien raté et un muséologue heureux, parce que finalement, d'une manière finalement assez inattendue, il rentre dans le monde des musées et va participer clairement à la révolution des musées au XXe siècle et à la création véritablement du musée moderne. Donc c'était cet exercice un peu difficile qui était à mettre en œuvre, où la question aussi, quand on traite finalement d'une personne qui parle de la muséologie, c'est essayer de traduire encore aujourd'hui quelque chose d'assez fidèle à ce qu'il peut penser sur la scénographie du musée. Donc tout un travail avait été fait là-dessus. Et le parcours même de l'exposition suivait l'histoire de cet individu en traitant en fait par module toutes les facettes de sa vie de manière assez chronologique.
Et forcément, l'introduction, il fallait expliquer qui était le bonhomme. Et en fait, l'idée de cette introduction, c'était de s'appuyer sur un exercice qui aussi était une reconstitution de sa muséographie. Parce qu'il a marqué, je vous ai dit, la muséographie à la fois en France, en Europe et dans le monde. Et ça veut dire quoi? Et je trouve ça assez intéressant. Lui, dans la définition de son musée, encore une fois, qui creusait la question des arts populaires, c'était aussi la question de les donner à voir en vitrine. Et en fait, il avait une lecture très assez musicale, finalement, de ces vitrines, toujours des fonds noirs, avec aussi des objets, quelquefois, qu'il évitait sur fil de nylon, ce qui a fait qu'on l'a appelé le magicien des vitrines. Et donc, pour montrer un peu cette question de la muséographie, l'introduction, c'était un face-à-face entre un court film de Méliès qui s'appelle L'homme orchestre, puisque c'est comme ça on proposait un peu de le définir. Et c'est un court film assez fascinant parce qu'on voit Méliès se dupliquer, jouer avec les chaises. Donc il y a une vraie question de la mise en scène dans ce film. Et face à une vitrine qui était une reconstitution de celle qu'il avait constituée dans son musée, qui s'intitule « Du berceau à la tombe ». C'était donc l'occasion de dire qu'on allait traverser l'histoire d'une vie, et pas n'importe quelle vie, donc celle de quelqu'un lié au musée. Et c'était aussi une exposition qui, au-delà de la question de la muséographie, s'appuyait à ce que je vous disais un peu en introduction, c'est ce champ d'art populaire qui va lancer avec ce musée qui naît en 37, en plein, porté par lui et le Front populaire. Il le définit comme l'idée justement qu'il y a un musée du peuple et que ce peuple se retrouve même dans ce musée et qu'on lui donne la parole. Donc, exercice très intéressant, je pense, par rapport à la question qui nous lie aujourd'hui sur l'auteur, c'est que pour lui, justement, l'art populaire ne se collecte pas en brocante, il se collecte sur le terrain. Et donc, toute cette question du terrain, c'est ce qui va... Alors, j'avance un peu, je vois que l'heure tourne, mais c'est ce qui va essayer de décliner sur la question de l'enquête collecte. Et donc, tous les objets qui étaient donnés à voir dans cette vitrine centrale, c'est à la fois des objets qu'il collecte lui-même sur le terrain, dont il va raconter l'histoire, bien évidemment, dans les archives et la documentation. Il va pousser aussi tout son réseau dans ces années 30 à donner aussi ce qu'ils imaginent être cet art populaire naissant. Donc c'est pour ça qu'on faisait aussi des portraits de gens autour de lui, de marchands comme Charles Raton, de David Veil, grand mécène, vicomtesse de Noailles également, ou Michel Léris par exemple. Et dans cette question, on traitait aussi de toutes les relations qui étaient les siennes, de Joséphine Baker à qui il a écrit une partition, à tous ses amis surréalistes, et notamment André Masson qui lui a fait ce très beau portrait. Et donc, l'exposition, c'était un peu aussi, encore une fois, essayer de poser la question de comment on met un objet d'art populaire en essayant de lui raconter une vie autour. Parce que si je vous dis que l'objet d'art populaire s'acquiert sur le terrain, la manière de le montrer dans un musée, au final, est assez équivalente avec celle des musées Beaux-Arts. Et toute la difficulté, c'est donc de comment exposer cet art populaire. La réponse de Georges-Henri Rivière, entre autres, je vous ai dit qu'il était musicien, c'était cette dimension très musicale où il remettait les objets en situation avec justement l'utilisation de ce fil de nylon. Et c'est ce qui était ici présenté dans cette vitrine sur le jazz. Et idée un peu folle, justement, il voyait ce monde d'art populaire disparaître. Et donc, il pensait à un mode de collecte qui peut paraître un peu excessif, mais qui avait un côté très spectaculaire, en effet. On reprend ce que lui appelait une tranche de vie. Donc, ça va être une forge de Saint-Véran dans le Queyras, ici un bureau en plein Aubrac, etc., etc. Et la collecte se fait véritablement sur tout l'environnement et on va le restituer tel quel dans le musée et juste mettre un pan vitré. C'est par exemple ce qui est actuellement ce principe d'unité écologique qui est donné à voir dans l'exposition Kunz avec un intérieur breton. Il y a un côté assez fascinant et qui était aussi lié d'ailleurs à un véritable spectacle son et lumière parce que justement il donnait la parole au bureaunier qui racontait exactement ce qui se passait dans son bureau et ce qui était l'occasion de comprendre comment on fabrique justement ce lécaillé, comment en fait tout ça part aussi de la transhumance. Enfin, donc c'était une réponse muséographique, disons, à cette question du vivant et comment on peut exposer le vivant dans un musée.
J'avance un peu cette histoire de la collecte, comme je vous le disais, c'est véritablement au cœur de sa démarche et c'est aussi ce qu'on voit à travers ce matériel photographique et les objets collectés à côté. Donc Georges-Henri Rivière, c'est ce grand monsieur avec son cahier sous le bras qui s'entretient avec des sabotiers et notamment qui va avoir l'idée de, pour comprendre comment on fabrique un sabot, d'arrêter matériellement l'objet en train de se faire en différentes étapes, ce qui était l'occasion aussi de le montrer dans le musée de cette manière-là. Autre exemple, on voit justement le fabricant de cette petit chalet en train d'expliquer à Rivière, donc sur son petit carnet de route, il réexplique exactement ce que lui dit Monsieur Chosa, et l'objet effectivement qui devient bien plus signifiant quand on le remet dans son contexte. Et pour autant, donc, il y avait cette démarche de collecter l'art populaire qui était aussi, comme il le dit tout le temps, en train de disparaître, donc il y a un rapport au temps qui s'opère dans ce garder ces derniers témoins. Et autant il y avait malgré tout cette réaction aussi à ce qui se passait en même temps que la naissance de ce musée qui était un peu longue et laborieuse, et notamment mai 68 où ce Georges-Henri Rivière est allé dans toutes les écoles de Beaux-Arts récupérer des affiches. Donc le musée voilà, en fond d'affiches de mai 68 très important parce que justement il a su aussi réagir dans cette même méthode de collecte sur le contemporain. Il a aussi questionné le chef-d'œuvre et tout en étant un peu justement questionnant ça de manière un peu ironique quand il dit un musée de chef-d'œuvre, je n'en serais que plutôt libre pour aller au Vélodrome d'hiver, ethnographe frémissé, collectionneur. Donc cet ethnographe, il traite avec une égale considération les objets courants et les objets exceptionnels. Et pour poser la question du chef-d'œuvre, justement, il prend une enseigne, un bouquet de compagnons du devoir qui est la réalisation de son chef-d'œuvre une fois que le tour est réalisé. Et c'est véritablement ce qui poussait aussi dans sa réflexion sur la déhiérarchisation des arts. Et ce que le MUCEM, je pense, aujourd'hui est toujours dans cette démarche, c'est dire justement, on ne va pas cloisonner l'art populaire d'un côté et les beaux-arts de l'autre. Donc c'est comme ça qu'il mettait face à une vitrine autour de la céramique d'art populaire un pichet de Picasso qui s'était fait donner par Ken Weller. Et donc cette exposition, c'était aussi une manière, en tout cas c'était un peu son sous-titre, puisqu'on prenait un poème de Paul Éluard en sous-titre de cette exposition, Donner à voir, c'était voir, c'est comprendre, juger, transformer, imaginer, oublier et s'oublier, être ou disparaître. C'était aussi finalement une manière de questionner le chef-d'œuvre avec cet avant-dernier objet donné par Georges-Henri Rivière à son musée, qui était un porte-clés Joconde, qui je trouve est assez symboliquement intéressant pour évoquer cette question. Et pour finir, là peut-être vous, c'était aussi encore récent, c'était l'an dernier. Alors une exposition. En deux minutes. Ouais, tout à fait. Une exposition d'une installation d'Alexandre Bérigaud qui en fait était partie de la lecture de différentes collections de musées, d'art populaire, d'art brut, etc., pour essayer de voir dans les collections où étaient les œuvres anonymes. Et il en a fait une installation qui était proposée au MUCEM l'été dernier. Et dans ce « Mon nom et personne », il y a une autre proposition aussi de travail en cours sur lequel je m'exécute, qui est justement dans cette histoire d'art populaire, d'essayer de voir à quel point c'est aussi un art signé. Donc voilà, prochainement, il y aura un petit abécédaire ici à la fin de l'année, vers octobre, qui posera la question de la signature dans l'art populaire. Donc je voulais finir sur ce tampon artiste. Merci beaucoup, Marie-Charlotte Calafa. Chora Makaremi, vous êtes anthropologue et vous avez écrit, vous avez fait plusieurs expériences d'écriture très différentes. D'abord une thèse sur les zones d'attente en aéroport, donc un exercice plutôt académique, puis une traduction d'un témoignage de votre grand-père iranien, les cahiers d'Aziz, qui est paru chez Gallimard. Accompagné d'un texte diptyque, La traversée, que vous avez écrit aussi à partir d'images. Et puis, vous avez poursuivi cette histoire familiale avec cette fois-ci un film Hitch, une histoire iranienne, paru en 2019, qui a reçu le grand prix du risque et qu'on pourra voir d'ailleurs ce soir à la Baleine à 18h30. Je vous propose, avant d'introduire votre propos, si on peut, qu'on en regarde la bande-annonce.
Je voudrais demander quelque chose de ma mère. Mais je ne sais pas quoi. Shora, comment vous en êtes venue à travailler sur, sur votre histoire familiale ? Alors oui, merci, merci de l'invitation et donc c'est un bon début pour commencer cette intervention. En fait, j'étais en train de faire une thèse sur la zone d'attente de Roissy, donc une ethnographie de la détention frontalière, et j'intervenais comme assistante juridique auprès des étrangers qui étaient donc détenus dans la ZAPI sur l'aéroport de Roissy. Donc déjà pour dire que au sein même de ce premier travail qui en effet c'est un travail de thèse, j'étais pas dans une perspective, je n'adhérais déjà pas à une perspective à cette espèce de fiction de neutralité axiologique qu'on a construit, qu'on peut construire en sciences sociales, puisque j'étais embarquée comme en tant qu'assistante juridique et que je participais à la réalité que j'observais. Et en fait, pendant ce travail, petit à petit, j'ai eu des moments d'étrangeté, parce que le français est aujourd'hui ma langue naturelle. Mais tout à coup, des fois, j'étais assise avec des demandeurs d'asile ou des demandeuses d'asile, et j'entendais les policiers qui parlaient aux haut-parleurs dans les couloirs, ou je voyais les enfants qui couraient dans les couloirs, et l'expérience de l'attente plus du français comme une langue étrangère, cette espèce d'étrangeté, des odeurs, de sonores, etc., me renvoyait à quelque chose que j'avais connu. Et donc, je pense que c'est ça, c'est ce sentiment de familiarité de l'étrange. De ce qui nous est familier et qui soudain devient étranger. Donc cette familiarité de l'étranger qui m'a donné, qui a été une espèce d'impulsion pour aller retrouver en fait des documents ou notamment un cahier que j'avais qui existait, dont je connaissais l'existence et qui avait été écrit par mon grand-père dans les années, au tout début des années, enfin on ne sait pas exactement quand, mais entre 88 disons et 92. Mon grand-père lui est mort en 94, et dans ce cahier il raconte, en fait c'est un témoignage, il produit un témoignage, il raconte l'histoire de ses filles, donc de ma tante et de ma mère, donc deux de ses cinq filles, qui ont toutes deux participé à la révolution dans un parti de ce qu'on appellerait la gauche islamiste aujourd'hui, les Mojahedines du peuple, et qui ont toutes deux donc été d'abord des révolutionnaires, puis candidates aux élections législatives de 1981, puis arrêtée, détenue, exécutée presque immédiatement pour ma tante tandis qu'elle était enceinte, et détenue pendant une beaucoup plus longue période de 7 ans pour ma mère, et exécutée pendant un massacre, alors qu'elle devait être libérée, pendant un massacre qui était en fait qui en 1988, à la fin de la guerre Iran-Irak, est venu liquider, en fait purger les prisons iraniennes de tous les prisonniers politiques qui restaient de l'époque immédiatement post-révolutionnaire, donc des années 80-81, et qui étaient donc des prisonniers politiques qui étaient opposés au projet de la République islamique. J'ai repris ce cahier qui m'avait été que j'avais reçu, et au tout début du cahier, c'est un cahier qui est assez incroyable parce que mon grand-père c'est un témoignage qui est incroyable parce que mon grand-père n'était pas un lettré, il était contremaître dans des champs de pétrole, hein, il travaillait à la Compagnie nationale du pétrole, et je pense d'ailleurs que ça a beaucoup à voir cette position dans la Compagnie nationale du pétrole, qui était l'ancienne British Iranian Oil Company, a beaucoup à voir avec la politisation de ses enfants. Ça c'est quelque chose que j'aimerais explorer peut-être dans le futur. Mais ce qu'il a produit, c'est un témoignage qui est extrêmement littéraire, c'est-à-dire qu'il y a une
Il y a un incipit, ce qu'on appellera un incipit, avec un début où il dit qu'il produit ce témoignage-là pour les enfants de Fatemé, donc de ma mère, qui n'ont pas connu leur mère et qui ne savent pas pourquoi elle a été exécutée. Donc il explique quelle est la raison pour lui de ce retournement de la révolution et de cette suppression de tous les éléments révolutionnaires après 1979 qui n'étaient pas partie prenante du projet de la République islamique. Et c'est un témoignage, en fait, plusieurs fois dans son écriture, il dit « Tout ce que je veux, c'est de produire un témoignage. Tout ce que je veux, c'est de me remémorer mes filles, parce que écrire à propos d'elles me permet de passer du temps avec elles. » Mais finalement, il y a une espèce de contradiction, parce qu'à la fois, il dit ça, et à la fois, voilà, à d'autres moments, il dit mais cessons de parler, mais je ne vais pas m'apesantir sur ce que moi j'ai vécu, parce qu'en fait, il détaille avec une précision glaçante l'expérience des familles, très kafkaïenne des familles face à cette administration qui torturait leurs enfants et qui leur montrait un visage un peu légaliste en même temps. Enfin, c'était... Et il dit je ne veux pas m'apesantir sur mes peines, ce que je veux, c'est de produire un témoignage. Et il écrivait depuis l'Iran de la fin des années 80, qui est un pays où les massacres qui ont eu lieu non seulement en 88, mais tout au long des années 80, ne sont absolument pas publicisés. Donc on a des confessions forcées qui sont télévisées, etc. Mais par exemple, le massacre de 88, qui a fait plusieurs milliers de morts, on ne sait pas exactement combien, il n'y a eu aucun écho dans l'espace public de ces massacres-là. Personne n'y croyait. Encore moi, dans les années 2000, j'avais des amis étudiants iraniens qui venaient d'Iran, qui avaient grandi en Iran et qui pensaient que c'était des rumeurs, en fait, des rumeurs contre-révolutionnaires. Donc c'était tenu pour mensonge et d'abord tenu pour totalement inexistant. Et donc mon grand-père a produit un témoignage de l'intérieur de cet espace de silence. Et pour moi, c'était très intéressant, très important, pour deux raisons. Et là, je plaque une analyse peut-être qui est venue un tout petit peu plus tard, parce qu'à l'époque où je découvre le cahier, bon, bien sûr, je suis très émue par ce que je découvre. Mais c'est intéressant pour deux raisons. C'est que on a des... En fait, il y a plusieurs rescapés du massacre de 88 et plusieurs survivants des prisons qui ont écrit leur mémoire et donc qui ont témoigné sur ce qui s'était passé dans les années 80. Où les prisons n'étaient pas seulement des centres de torture et des lieux d'exécution massive, mais étaient aussi des centres de redressement. Le directeur de la prison d'Evin l'appelait l'université d'Evin. Et du coup, on a des témoignages, mais ces témoignages-là ont été écrits en exil et après coup. Et je pense que c'est très différent d'un témoignage qui est écrit en Iran même, donc depuis cet espace où, en dehors de la maison, on sort dans la rue et tout à coup, tout ça n'existe plus. Et au contraire, il y a une propagande d'État qui est très opérante. Et finalement, la deuxième raison pour laquelle, pour moi, ce témoignage était assez unique, c'est que on avait les témoignages des prisonniers, les récits de l'expérience pénitentiaire étaient des témoignages de la part de personnes rescapées qui racontaient ce qui se passait à l'intérieur des prisons et qui finalement aussi nous renvoyaient à cette espèce de face à face entre les prisonniers et un pouvoir tout puissant et quasi psychotique et duquel ces prisonniers étaient dépendaient. Tandis que le récit de mon grand-père ouvre, d'une part, la prison reste presque un angle aveugle. On en sait des choses par les récits que lui font ses filles parfois, mais en fait, ça reste un lieu qu'il ne voit jamais, il est jamais dedans. Il voit le parloir, donc c'est un récit depuis les parloirs. Et c'est un récit aussi de l'expérience des familles, c'est-à-dire qui replace la prison et le face-à-face entre prisonniers et bourreaux dans cet espace plus large et triangulaire où il y a aussi la société. Et donc, cette violence entre bourreaux et victimes, entre bourreaux et prisonniers, avait des effets sociaux sur les familles. Et finalement, en emprisonnant, en torturant et en exécutant des dizaines de milliers de personnes, on a imposé un silence à des millions de personnes. Et c'est ce mécanisme-là, vraiment le grain fin de ce mécanisme que ce témoignage nous permettait de ressentir dans des descriptions extrêmement puissantes, parce que c'était écrit dans une langue simple de quelqu'un qui n'avait pas de prétention ni sociologique ni littéraire et qui produisait un récit extrêmement parfois anecdotique et honnête. Enfin, honnête dans le sens vraiment des enjeux
qui avait produit sa parole. À l'époque où moi je reçois ce témoignage, en fait, je ne sais pas lire le persan et je sais encore moins lire le persan manuscrit. Donc je le fais lire par une de mes tantes et enregistrer. Donc je pars faire ma thèse au Canada avec ces audios du témoignage. Et suite donc à cette expérience de terrain, je décide de traduire ce témoignage et de voir ce qu'il peut m'apporter. Et finalement, petit à petit, j'en viens à l'idée que vraiment il vaut la peine d'être transmis, et il porte ça en lui-même. Il a cette nature de témoignage en lui-même. Et c'est à ce moment-là, quand je suis en train de traduire ce témoignage, que je m'achète une petite caméra DV, que je pars en Iran pour les vacances et que je me mets à filmer. Donc mon idée, c'était de filmer les lieux où ma mère avait vécu. Alors j'ai pas pu m'approcher de la prison, par exemple, mais je suis allée dans le cimetière où il y a une tombe qui a été désignée comme étant la sienne, ce que le témoignage de mon grand-père remet en cause. Mais en tout cas, je suis allée là-bas. Je me suis entretenue avec des gens qui l'avaient côtoyée, d'anciennes camarades de prison, des amis de jeunesse ou des membres de la famille. J'avais un petit questionnaire. Et puis j'ai filmé les lieux, et notamment j'ai beaucoup filmé la maison où j'ai grandi, qui était aussi la maison où ma mère avait vécu, et c'était une maison qui avait été occupée par les gardiens de la Révolution, donc le CEPAR, au moment de son arrestation. Et de ces images, et en fait, donc je sais, sur le coup, je fais ça. Je n'ai pas vraiment de, je pense que je voulais en faire un film de famille. Je n'ai pas vraiment d'idée très claire de ce que je vais faire avec ça. Et finalement, peu de temps après, il y a un événement qui est organisé à Québec et qui est à l'Université de Québec à Montréal, pardon, à Montréal donc, et qui est le premier événement public autour des massacres de 88, puisque c'est une conférence internationale à la faveur de la commémoration des 20 ans du massacre en 2008. À l'époque, moi j'ai envie de rester anonyme parce que je pense que j'ai toujours envie d'aller et venir en Iran. Et on me demande de venir témoigner en tant que donc, fille d'une personne qui a été exécutée en 88. Et je fais de façon assez rudimentaire, je monte une vidéo que j'appelle Antigone 88 avec mes images, un petit peu quelques extraits du témoignage de mon grand-père et les images que j'ai tournées en Iran. Et en fait, plus tard, je vais utiliser la structure que j'ai trouvée au montage de cette vidéo, donc parce que le montage il est pas écrit, je le fais comme ça un peu au fil de l'eau, mais il y a une structure narrative qui est celle que j'utilise et que je transpose pour écrire la traversée, qui est finalement le texte qui accompagne le témoignage de mon grand-père dans le cahier d'Aziz, qui a été publié par Gallimard en 2011. Et quand je suis arrivée, moi, quand j'ai rencontré l'éditeur, je n'avais pas encore écrit le texte, la traversée. Je suis arrivée avec le texte brut du témoignage, et c'est un travail qui s'est fait petit à petit. J'ai cherché la forme avec mon éditeur, Olivier Salvatori, pour voir comment conserver ce témoignage et l'éclairer. Et donc les enjeux qui se posaient il y a une espèce de jeu de couches entre le travail avec les images et le travail avec les mots, et finalement la vidéo vient avant, donc ensuite il y a le cahier d'Aziz, et le cahier d'Aziz répond à plusieurs enjeux. Quand j'ai vraiment voulu, du coup, quand il s'agit de sortir du témoignage et de vraiment écrire un livre, de fabriquer un livre, l'un des enjeux, c'était à l'époque, donc en 2011, c'était encore une époque, et je pense qu'on n'en est pas tout à fait sorti, où ce qui existait autour des massacres de 88, qui sont des massacres assez peu connus finalement, et c'est malheureux qu'ils soient peu connus, parce que par exemple le candidat favori aux élections présidentielles de ce mois de juin en Iran, qui s'appelle Ebrahim Raisi, qui est un conservateur, était un des trois juges en charge de mettre en œuvre le massacre. Et donc
c'est parce que ce massacre est si peu connu et donc que ces violences collectives sont si peu connues qu'il est possible aujourd'hui que non seulement les perpétrateurs de ces massacres donc, se sont maintenus au pouvoir, ont pris des positions au sein de l'État, mais ils reviennent encore plus sur le devant de la scène et ils continuent à mettre en œuvre à tenir les rênes du politique en Iran. Et en fait, la façon dont on parlait de ces événements, dont l'histoire n'avait pas été écrite encore, parce qu'il y avait extrêmement peu, il n'y avait pas d'accès aux archives, il y avait des témoignages, et la façon dont l'histoire de ces événements était écrite était plutôt à travers des témoignages récoltés par des associations, par des ONG de défense des droits de l'homme, qui essayaient à l'époque de porter l'argumentation selon laquelle on avait affaire à un crime contre l'humanité. Et c'était très important parce que ça permettait de montrer que c'était des événements imprescriptibles et que donc malgré le fait qu'on soit 20 ans, 25 ans, 30 ans après les faits, il est encore actuel d'en parler. Et donc on avait un enjeu juridique. On avait une qualification juridique et on avait aussi presque une forme d'écriture ou un langage qui était celui juridique du témoignage. Et la narration des événements avait lieu presque uniquement à travers ces cadres-là. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé aussi en tant que chercheuse et surtout anthropologue du droit. Ensuite, c'est comment est-ce que, dans des cas comme celui-ci, finalement, le langage juridique, la grammaire du droit, va donner forme à l'écriture de l'histoire, puisqu'on n'est plus, on est dans une représentation des victimes, dans une qualification des faits, et on va choisir, on va aussi sélectionner des événements, des situations, etc., qui permettent d'argumenter ces faits-là. Et donc, en mettant de côté tout ce qui ne rentre pas, tout ce qui est trop gris, enfin tout ce qui est trop ambigu, tout ce qui ne rentre pas dans cette case. Et donc, l'enjeu de ce témoignage et du travail que j'ai continué à faire aussi avec le film était d'essayer de donner récit de cette histoire dans une forme qui s'émancipe des enjeux juridiques. Donc comment est-ce qu'on parle d'un crime contre l'humanité? Qu'est-ce que l'expérience d'un crime contre l'humanité quand l'enjeu n'est plus de prouver que c'est un crime contre l'humanité? Et le deuxième enjeu, et qui est lié pour moi entièrement à celui-ci, c'est la question de l'articulation entre l'intime et le politique. C'est-à-dire que le témoignage de mon grand-père permet d'avoir accès à toute une période de l'histoire iranienne qui a été très peu étudiée, très très peu étudiée par les historiens, et qui est absolument qui est essentielle, et qui est le processus par lequel la révolution s'est transformée en république islamique. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est pas fait tout seul, et ça s'est fait de façon extrêmement violente. Mais la violence n'est pas juste une espèce de pis-aller et de nécessité de toute révolution. La violence ici en Iran est post-révolutionnaire, elle arrive un ou deux ans après la révolution, et elle participe d'un processus de construction d'un dispositif d'État. Et ça, en fait, on le voit à travers le témoignage de mon grand-père au quotidien. Mais cette violence-là, elle travaille les prisonniers d'une certaine façon et les familles d'une certaine façon, de sorte que l'intimité, la vie privée, la vie familiale devient le point d'application du pouvoir répressif, notamment quand il s'agit de prisonnières, de femmes dont l'engagement correspond extrêmement peu à l'image justement de la femme islamique qui va être promue par ce régime. Et donc, ce que ce témoignage permettait de saisir, ce que le traitement à travers la torture des vivants et puis le traitement des morts faisait aux vivants, donc ce que le gouvernement des prisonniers et des morts fait aux autres membres de la famille ou de la société, ce processus-là se saisit dans une articulation entre l'intime et le politique. C'est un processus où on voit comment est-ce que le pouvoir griffe au plus intime pour pouvoir asseoir une gouvernementalité. Toutes ces choses-là, moi, j'en ai pris conscience à travers un regard de chercheuse. Il me reste 5 minutes, 2, 1, d'accord. J'en ai pris conscience à travers un regard de chercheuse. Et,
Et finalement, la façon dont j'ai pu lui donner forme, c'était de ramener cette dimension intime dans le travail d'écriture et de recherche, puisque c'est à cette articulation-là que je m'intéressais. Et c'est pour ça que la démarche qui est derrière, à la fois la traversée et puis ensuite le film Hitch, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais dont je parlerai à la baleine du coup. Si, juste une petite question quand même, je crois, pourquoi à un moment vous avez ressenti le désir de vous former à la réalisation, vous qui êtes une femme d'écrit, de saisir une caméra, d'aller faire un film et pas d'écrire finalement cette histoire? En fait, quand j'y réfléchis c'est a posteriori que quelque part la démarche de faire le film s'est légitimée ou en tout cas a pris racine dans ce geste un peu intuitif que j'avais fait, qui était d'acheter une caméra pour partir filmer en Iran, et qui était une chose qui ne m'était... Je m'intéressais très peu à l'image, j'en avais pas produit. D'ailleurs, la zone d'attente de Roissy, c'est un endroit où on n'a pas le droit d'amener un appareil photo, donc j'avais a fortiori pas pu travailler avec les images dans le cadre de ma thèse. Et tout à coup, j'éprouve le besoin, pour aller en Iran, j'achète une caméra. Et après coup, et ça c'est dans le film, je l'explique un petit peu, ou en tout cas je le mets en scène un peu dans Hitch, puisque j'utilise les images que j'ai faites en Iran un petit peu comme des images d'archives dans le film. Cette caméra-là est devenue une façon pour moi de rendre viable, possible, le fait d'aller en Iran, qui était une société, donc qui était la société du déni, qui était une société du silence, qui était un endroit assez violent, puisque c'est un endroit où, justement, la tombe des proches n'existe pas, ou bien il y a eu des routes qui passent, les tombes sont détruites pour que des routes passent dessus, pour que des immeubles soient construits dessus. Donc c'est une société où se passent des choses violentes et où le silence prime. Et ma façon de pouvoir à la fois y retourner et ne pas avoir l'impression de trahir mes proches, c'était justement d'amener de cette caméra comme élément à la fois d'enquête et de médiation. Et c'est là-dedans que s'est ancré le processus de film dont je parlerai tout à l'heure à la baleine. Merci beaucoup, Shora. Merci. Yvan Jablonka, je vous présentais tout à l'heure à la fois comme historien, vous l'êtes, vous êtes professeur à l'Université Paris 13, et comme écrivain, parce que je crois que vous l'êtes aussi. En tout cas, votre livre Laetitia a été unanimement salué comme une œuvre littéraire, vous la qualifiez vous-même de roman vrai. C'est un livre qui a reçu le prix Médicis, qui a reçu le prix littéraire du Monde, et qui porte sur... cette jeune femme, Laetitia, engloutie dans un terrible fait divers en 2011, c'est ça. Voilà. Cette histoire a donc donné lieu à un livre, elle a donné lieu aussi à un film de Jean-Xavier de Lestrade qui a été diffusé à l'automne dernier sur France 2. Et c'est la genèse de ce projet, d'abord littéraire et puis cinématographique, que vous allez nous raconter à présent. Je vous laisse le micro. Bonsoir, je suis très heureux d'être là ce soir et je voudrais remercier pour leur travail les gens du MUCEM et notamment Boris Petric, qui n'est pas au MUCEM. J'ai prévu un PowerPoint, est-ce que vous voulez bien l'envoyer? Merci. Je vous parle d'une jeune femme qui s'appelle Laetitia Perret et qui n'est connue que pour sa mort, puisqu'elle a été tuée en 2011, il y a maintenant 10 ans. C'était une jeune femme qui menait une vie sans histoire et qui a été violée, enlevée, tuée et démembrée. Après quoi, un vent de folie a soufflé sur le pays, puisque les médias se sont emparés de l'affaire, mais aussi le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. La magistrature, après les attaques de ce dernier, s'est mise en grève, pour une grève nationale complètement sans précédent. Et puis, le corps de Laetitia a été retrouvé à deux endroits différents de la Loire-Atlantique où elle a vécu et où elle a été tuée. Donc, ce fait divers hors norme est devenu, en quelque sorte, non seulement une affaire nationale, mais encore une affaire d'État, ce qui est tout autre chose. Et quand je me suis penché pour la première fois sur le tombeau de Laetitia, je me suis demandé ce qu'on savait d'elle. Et la réponse était rien.
En fait, Laetitia n'était importante que pour sa mort, et sa vie n'avait compté que pour ce qui avait mis fin. Et ça a suscité un sentiment de révolte chez moi. Il m'a paru insupportable que la seule chose qui ait compté dans la vie de Laetitia, ce soit sa mort. Et j'ai voulu raconter au contraire sa vie. Alors je vais vous donner quelques-uns des principes qui ont guidé ma recherche, puis l'écriture de mon livre, et puis j'évoquerai la question de l'image, puisque mon livre a été porté à l'écran par Jean-Xavier de Lestrade. Comment je dois faire pour que ça passe? Oui, je sais, pardon. Alors le premier principe, c'est que j'ai voulu écrire la vie d'une disparue. En effet, il m'a semblé que bien souvent, on se souvient du meurtrier et non pas des victimes. On le voit pour tous les génocides du XXe siècle, dont on connaît les auteurs, mais pas le nom de leurs innombrables victimes. On le voit aussi dans les procès, notamment lorsque la victime est morte, puisque le point focal du procès, c'est l'accusé, et non pas celui ou celle, en l'occurrence, qui a perdu la vie. On le voit aussi dans une large partie de la littérature du XXe siècle, aussi bien chez Truman Capote que chez Jean Genet, Michel Foucault, ou encore Little, ou Coltès encore. Tous ces auteurs ont pour point commun d'avoir consacré des livres importants à des crimes, et plus exactement à des criminels. Mais les victimes n'ont pas intéressé ces auteurs, qui restent malgré tout d'immenses écrivains et philosophes. Moi, au contraire, j'ai voulu renverser la perspective et m'intéresser non pas au sang, non pas à la mort, non pas à la scène de crime, mais à l'absente, à la disparue. Le deuxième principe, c'est que le fait divers, et en l'occurrence la mort de Laetitia Perret, n'est pas une anecdote. Hein, une jeune fille qui se fait massacrer à l'âge de 18 ans, ce n'est pas une anecdote. C'est bien plus largement un objet d'histoire qui convoque des phénomènes importants, pluriséculaires et bien plus larges que la vie de la victime elle-même. Le fait divers, c'est un petit peu un épicentre dans lequel on voit vibrer toute une société, la nôtre en l'occurrence. Et puis c'est un objet d'histoire aussi parce que le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, en a fait un objet politique. Il a successivement pointé du doigt le tueur en le traitant de multirécidiviste, ce qui était vrai, et de délinquant sexuel, ce qui était moins vrai, même s'il s'était rendu coupable en l'occurrence d'un viol. Mais il avait une autre carrière criminelle derrière lui. Et puis le président de la République a mis en cause les juges pour leur supposé laxisme, et c'est ça qui a envoyé toute la magistrature dans la rue. Enfin, il y a un véritable art du gouvernement qui est traduit par l'exploitation politique de ce fait divers, puisque le président de la République mettait en œuvre une exploitation de la peur, le règne de l'émotion, ou encore la division des Français. En tout cas, c'était plusieurs piliers de la démocratie qui étaient secoués, qui ont été secoués à travers ce fait divers, les médias, la justice et enfin l'exécutif, c'est-à-dire en quelque sorte les trois piliers de notre démocratie. Enfin, ce fait divers me paraît être un féminicide. J'ai employé le terme dans mon livre. Le féminicide, c'est un crime qui, à travers l'humiliation, le viol, le meurtre, la destruction du corps, vise à annihiler la femme dans la femme. Et c'est en ce sens le féminicide est l'incarnation d'un crime misogyne. Je voulais, c'est le troisième principe, étudier la vie de Laetitia et non pas sa mort, et montrer que son existence relevait de la sociologie et d'un fait social total. En effet, Laetitia a traversé à peu près tout le spectre des violences masculines. Quand elle avait 3 ans, son père a violé sa mère à plusieurs reprises sous la menace d'une arme. Ensuite, Laetitia et sa sœur jumelle ont été placées dans un foyer, puis dans une famille d'accueil. Et dans cette famille d'accueil, il y a eu à nouveau des violences sexuelles contre la sœur jumelle, c'est une certitude juridique, et probablement contre Laetitia, mais la justice ne s'est pas prononcée sur ce cas. Enfin, Laetitia, à l'âge de 18 ans, a suivi un homme avec qui elle a eu peut-être un flirt. Cet homme l'a tué dans la nuit qui a suivi leur rencontre. Donc,
Laetitia a rencontré, si je puis dire, enfin, a croisé le chemin de trois hommes, son père biologique, son père d'accueil, et puis un homme de rencontre qui, tous les trois, l'ont violenté et ont mis en œuvre un processus de fragilisation qui, en moins de deux décennies, lui a coûté la vie. Ce que j'ai essayé de raconter dans mon livre, c'est son existence comme un fait social, puisque en parallèle de ce malheur, de ce processus de destruction qui a duré 18 ans, on peut aussi trouver la trace de joie, de sa joie de vivre, de la phosphorescence qu'il habitait, et aussi du caractère radieux de cette jeune femme, comme tout le monde a pu en témoigner. Et puis il y avait aussi ce que j'appellerais son romantisme, puisqu'elle était en train de passer doucement de l'âge des poupées et des peluches à l'âge des petits copains. Le quatrième point sur lequel je passerai plus rapidement, ce sont les dysfonctionnements de la justice et des services sociaux. Il y a un certain nombre de réussites dans la vie de Laetitia, notamment sa formation professionnelle, son placement, et puis le fait, son placement en foyer, et puis le fait qu'elle était en train de devenir une jeune femme indépendante sur la voie de l'autonomie. Cependant, il y a aussi un certain nombre d'échecs. Le fait, par exemple, que les deux jumelles ont été placées avant le foyer chez leur père, qui en fait sortait de prison pour viol conjugal. Le deuxième échec, c'est le fait que la famille d'accueil n'a pas été dépistée comme une famille violente et que le père d'accueil, après plusieurs signalements, ait conservé la garde des jumelles alors même que plusieurs jeunes filles le mettaient en cause. Enfin, le suivi socio-juridique du tueur, l'homme qui a tué Laetitia, a été bâclé et en tout cas a été sujet à caution, et c'est ce qui explique que cet homme dangereux était dans la nature en 2010. Six mois plus tard, il tuait Laetitia. Enfin, je voudrais évoquer les sources de mon enquête, et c'est là-dessus que je vais un petit peu insister dans les 10 minutes qu'il me reste. Mon enquête socio-historique repose sur plusieurs sources, comme dans n'importe quel travail de sciences sociales. D'abord, j'ai rencontré tous les proches de Laetitia, ceux qui l'ont aimée dans la vie, et j'ai aussi rencontré tous les professionnels qui l'ont en quelque sorte accompagnée dans la mort au cours de l'enquête criminelle, juge d'instruction, avocat, médecin légiste, ou encore procureur de la République. J'ai pu consulter son dossier à l'aide sociale à l'enfance. J'ai pu avoir accès, grâce à sa famille, à son compte Facebook. J'ai suivi le procès en appel du meurtrier de Laetitia. Et puis, je me suis appuyé sur un certain nombre de photos, autant de documents qui m'ont permis de faire ce travail de sciences sociales, qui, par ailleurs, est aussi un travail littéraire. Mais ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui. Pour vous montrer les sources de mon enquête, et notamment les sources iconographiques, je vous ai réuni quelques-unes des photos sur lesquelles je me suis appuyé, et puis je vais essayer de montrer comment mon livre a été mis en image par Jean-Xavier de Lestrade à travers une série de 6 épisodes, série qui a été diffusée il y a plusieurs mois, en septembre 2020. À travers les images que je vais vous montrer, je vais essayer d'esquisser une réflexion sur la place de l'auteur face à des images et à un écrit, selon 3 thèmes que je vous prie de garder en mémoire. Le premier thème, c'est la manière dont les documents permettent de nourrir une enquête. Je vais vous présenter des documents qui ont nourri mon enquête. Deuxièmement, la manière dont un auteur, moi en l'occurrence, doit travailler son émotion face à la mort, face à la disparition, face à la destruction. Et ici, je rends hommage au travail qui vient d'être évoqué par Chora, parce que je me sens très proche de ce travail pour des raisons qui vont vous paraître évidentes. Et le troisième aspect, c'est la dialectique entre l'écrit et l'image. Et en fait, comme je le disais en introduction, je suis allé de l'image à l'image, puisque je me suis moi-même fondé sur des photos. Alors la première image que je voudrais vous montrer, c'est celle-là. C'est l'image des deux jumelles quand elles arrivent dans leur famille d'accueil. Elles ont 13 ans et elles sont en train de souffler leur gâteau d'anniversaire de 13 ans. Ce sont des jumelles, alors que ce qui frappe dans cette photo, c'est qu'elles sont très différentes. Vous avez vous avez Laetitia à droite en rose et sa sœur jumelle, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, en bleu à gauche. Laetitia à droite, Jessica, sa sœur jumelle, à gauche. Elles sont déjà très différentes, et pour moi, c'est une manière de
constater que la fragilisation, la mauvaise alimentation, la timidité, l'inhibition s'incarnent dès l'âge de 13 ans dans le corps de Laetitia pour plusieurs raisons que je viens d'évoquer. Ici, c'est une photo qui a été prise quelques mois avant la mort de Laetitia. Laetitia est à gauche, cette fois, elle porte des lunettes sur ses cheveux, et sa sœur jumelle est à droite. Au milieu, vous avez leur père d'accueil, qui donc a été condamné aux assises à 8 ans de prison pour viol sur la personne de la sœur à droite. Pour autant, c'est une image plutôt heureuse, enfin en apparence, et à plusieurs reprises, Jessica, donc la survivante de sa jumelle à droite, m'a dit donc à plusieurs reprises que leur père d'accueil avait été un bon père. Alors je me suis étonné, mais elle m'a dit « oui, malgré tout ». Bon, dans ce « malgré tout », il y avait une phrase terrible, ça veut dire que ces jeunes femmes ont été tellement négligées, tellement violentées, que cet homme-là, tout violeur qu'il fût, était malgré tout, entre guillemets, un bon père d'accueil, c'est tout dire. Vous avez ici, alors la qualité n'est pas très bonne, vous avez ici une reproduction du compte Facebook de Laetitia. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous voyez très bien l'orthographe de Laetitia, elle avait une orthographe qu'on pourrait qualifier de catastrophique, mais que je préfère qualifier de poétique. Ça me fait penser à certaines poésies contemporaines, je l'ai comparé dans mon livre à une poésie de René Char. En mode plage aujourd'hui, trop kiffant le soleil, hein, vous le voyez écrit dans une langue qui n'est pas vraiment le français, mais qui est pourtant une langue très poétique, et qui était la langue de Laetitia, qui pour moi est la manière dont la pauvreté, l'exclusion, la violence viennent s'inscrire, non pas dans un corps, mais cette fois dans une langue. En tout cas, moi j'ai été très sensible à la manière dont elle écrivait, même si bien sûr c'est pas le français que je pratique couramment, ni même bien sûr dans mon livre. En tout cas, j'ai été très touché par l'accès à ce compte Facebook, puisque c'était une manière d'avoir un lien post-mortem, si je puis dire, avec Laetitia, que je n'ai pas rencontrée, et pour cause. Vous avez ici une image à gauche de Laetitia que j'ai retrouvée dans son compte Facebook, puisqu'il y avait beaucoup de selfies, beaucoup d'images qu'elle prenait d'elle-même. Et à droite, c'est l'image que vous avez déjà vue, puisque c'est une reprise de l'image de Laetitia avec sa sœur et son père d'accueil, entourée de roses, puisque c'est l'image officielle après qu'elle a été tuée. Mais enfin, c'est en quelque sorte les images de Laetitia à la fin de sa vie. Vous avez ici un des voyages que j'ai fait, ça c'est le Trou Bleu, c'est un étang dans la région de Pornic où une partie du corps de Laetitia a été immergée par l'homme qui l'a tuée. C'est une partie du corps qui a été retrouvée à peu près à l'endroit où on voit la bouée blanche, c'est à peu près là que le corps de Laetitia a été jeté le 19 janvier 2011. C'est un lieu extrêmement paisible, comme vous le voyez, qui est très beau et qui pourtant conserve en lui la trace de l'horreur. C'est là en tout cas que quelques jours plus tard, la brigade fluviale de Loire-Atlantique a ressorti une nasse dans laquelle quelques parties du corps de Laetitia avaient été enfermées. Vous avez ici une image à peu près concomitante des deux marches blanches qui ont été organisées à l'instigation de la famille. Vous avez au centre de l'image Jessica, hein, donc la sœur jumelle de Laetitia, qui a bien grandi depuis qu'on l'a quittée en image. À côté d'elle, la sœur, à côté d'elle, à droite, la fille de la famille d'accueil, hein, la fille biologique de la famille d'accueil, et à gauche, un autre jeune homme qui était placé dans cette même famille d'accueil. C'est un moment de grande douleur, puisqu'on ne sait pas si Laetitia est encore vivante. À l'époque, elle n'est officiellement qu'enlevée, alors que, en fait, la gendarmerie sait déjà qu'elle est morte pour un certain nombre de raisons qui tiennent à des analyses criminologiques. Vous avez ici l'image de l'enterrement de Laetitia. Donc, on est plusieurs mois plus tard, puisque la deuxième partie du corps est retrouvée en avril, c'est-à-dire trois mois après la mort de Laetitia. Et vous avez donc une image à gauche de l'enterrement de Laetitia. À droite, une photo de Jessica, la sœur jumelle, avec à gauche son père biologique, hein, celui-là même qui avait violé leur mère. Ce sont des images en noir et blanc qui ont été prises par des meutes de journalistes qui étaient à l'affût des images les plus bouleversantes, les plus sensationnalistes. Mais je dois dire tout de suite que moi-même, je me suis servi de ces images que j'ai décrites dans mon livre. Alors voilà mon livre.
J'ai reproduit la couverture parce qu'on a beaucoup réfléchi avec mon éditeur pour savoir comment on titrerait. Mon livre officiellement s'appelle « Laetitia ou la fin des hommes ». Et la fin des hommes, ça renvoie à la masculinité que j'évoquais. Mais on a décidé de n'inscrire sur la couverture que Laetitia, en lettres de feu, qui sort un petit peu de l'obscurité où elle a été plongée toute sa vie et même jusqu'à sa mort dans les temps. C'était une manière de lui rendre hommage, c'était une manière de la faire revivre à la manière des historiens. Et c'est pourquoi vous la voyez ainsi inscrite sur la couverture de mon livre. Alors je passe de manière un peu brutale à la mise en image de mon livre. Je n'ai pas vraiment été un acteur de cette mise en image parce que j'ai fait confiance à Jean-Xavier de Lestrade immédiatement. On s'est mis d'accord sur la manière dont on travaillerait. En gros, Laetitia n'est pas un fait divers. Laetitia, c'est une existence humaine et à partir de là, je lui ai fait confiance parce qu'on était d'accord. Enfin, maintenant, je voudrais vous montrer les aspects un petit peu frappants, étonnants, enfin un petit peu la boîte noire de la mise en image à laquelle j'ai participé un petit peu de loin. Vous avez ici le casting Laetitia pour tous les comédiens et comédiennes qui avaient été sollicités. Vous avez ici deux images. Vous avez à gauche Marie Collomb, c'est la jeune femme qui a incarné Laetitia à l'écran. Vous la voyez avec à la main son téléphone, comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, et comme Laetitia elle-même. Moi, ça m'a beaucoup frappé de la rencontrer, d'abord parce qu'elle a beaucoup de talent, et aussi parce que c'était la première fois que je voyais Laetitia incarnée. Pour moi, Laetitia n'était qu'un corps, n'était qu'une victime. Et là, tout à coup, on la voyait sous les traits d'une comédienne. Et vous avez à droite Noam Morgenstern, pensionnaire de la Comédie française, qui a eu le courage d'incarner à l'écran le tueur. Vous avez ici une photo prise par moi. À gauche, Jean-Xavier de Lestrade qui est au combo, hein, qui est en train de vérifier les images que le chef op est en train de tourner. Et à droite, Laetitia qui est, Marie Collomb, pardon, qui incarne Laetitia et qui va être filmée en train de regarder son téléphone portable, en train de taper un texto. Alors vous avez ici un extrait Word de mon propre manuscrit. Je voudrais vous lire simplement la fin du passage parce que c'est un des passages que j'ai vu mis à l'écran, c'est-à-dire que j'ai assisté au tournage. Au bar PMU de la Bernerie, le tout va bien. Meillon, donc c'est le nom du tueur, enchaîne bières et cognac. Arrivé en retard pour la course de chevaux, il s'est rabattu sur les secondes courses et les tickets de rapido. Au moment de sortir du bar pour fumer une cigarette, il aperçoit Laetitia qui descend la rue en direction de la plage. C'est la scène à laquelle j'ai assisté pour le tournage de la série. Alors là, vous avez une feuille de service de la journée de tournage à laquelle j'ai assisté. Et je vous ai mis comme ça, j'ai confronté mon manuscrit sur Word et puis une feuille de service. C'est comme ça qu'on fait un tournage. Ici, c'est le 8e jour du tournage. Et puis, on voit décor 1, plage Laetitia, Tony Meillon. C'est le moment de la rencontre. Et puis, vous avez décor 2, rue PMU de la Bernerie. C'est le moment de la rencontre entre Laetitia et l'homme qui va la tuer. Vous avez ici une scène de tournage entre Laetitia, enfin entre Marie Collomb, la comédienne qui incarne Laetitia, et une de ses copines à l'écran. J'avais été frappé par la manière dont, si vous voyez la série, vous verrez qu'on ne voit à l'écran évidemment que les deux jeunes femmes, mais j'ai été très ému par la manière dont c'est tout un plateau technique qui entoure ici sur les plages deux comédiennes. Ici, vous avez la scène du karaoké. C'est une scène très importante parce que c'est une des scènes où Laetitia est pour la dernière fois réunie avec ses amis. C'est une des meilleures scènes, à mon avis, de la série, très, très forte, très puissante, qui a été tournée deux jours en mode borgnole, c'est-à-dire que le karaoké a été plongé dans le noir. Et vous voyez Marie Collomb qui chante dans une des scènes les plus fortes, les plus bouleversantes de la série. Vous avez ici, moi, qui suis à droite, qui suis en train de discuter avec Noam Morgenstern, qui incarne le tueur. C'est une image qui me fait plaisir parce qu'elle rappelle que j'ai assisté au tournage, mais en même temps c'est une image qui me met mal à l'aise parce que c'est comme si métaphoriquement je discute avec le tueur qu'en fait je n'ai pas rencontré et à qui je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Et je termine par quelques images. Ici c'est la scène de la rencontre. Vous avez au fond Noam Morgenstern qui joue le tueur et qui rencontre donc Laetitia qui vient de passer, et c'est la seule fois où moi j'apparais dans la série, mais à l'image on me voit de dos, donc je fais de la figuration la plus nulle qui soit, c'est-à-dire qu'on me voit de dos, mais bon, après tout, voilà, c'est ça aussi la place de l'auteur, c'est celui qui n'est rien au moment où on met en image son propre livre.
Alors, voici l'image de la série. Le temps m'est compté, je sais. Voilà l'image de la série où sont réunis mon nom, celui de Jean-Xavier de Lestrade et puis tous les comédiens. Et puis, enfin, si on a le temps, en deux minutes, de voir la bande-annonce sur laquelle je vous laisserai. Merci. Alors, excusez-nous, mais on n'a aucune bande-annonce, nous, en régie. On ne nous a donné aucun fichier. On s'en excuse. C'est pas grave, mais vous voyez, vous avez un lien YouTube. Si vous pouvez le mettre, ce sera bien. Et si c'est pas grave, de toute façon, je suis en retard. Ça n'a non, on va pas pouvoir le mettre. On s'excuse. Merci. Merci beaucoup encore pour cet exposé très, très riche. Et puisqu'on a deux minutes avant de laisser la parole à la salle, je voudrais recueillir à vous-même vos réactions, ce que vous avez entendu les uns des autres, et peut-être les questions que vous aimeriez vous poser aussi les uns aux autres. Marie-Charlotte. Oui, moi, je juste me disais que j'avais le sentiment ici, en tout cas, de ne pas être vraiment en tant que commissaire à une place d'auteur, même si je pense que voilà, il y a un discours à tenir, etc. On n'affiche pas forcément notre nom de commissaire à une exposition dans une institution muséale. Et là, je trouve que dans l'ensemble, en fait, des propositions, il y a quelque chose aussi qui est vraiment du ressort de donner la parole aux autres. Et je trouve que c'est ce qui a fait, en fait, un peu du lien sur cette question de place de l'auteur, c'est comment on réfléchit aussi à des formes qui sont complexes, enfin, aussi bien le son que l'image, la vidéo ou l'exposition, qu'en fait, elles sont nourries par beaucoup d'acteurs qui les créent. Et dont l'auteur aussi à un moment se désemparait du sens qu'on peut le faire. Donc je trouvais ça intéressant aussi pour ça. Merci. Une autre réaction, Yvan Jabloka. Moi j'ai une question à Chora, et je commence par un petit témoignage. Quand j'ai écrit mon livre sur mes grands-parents, qui ont été exilés de Pologne, puis déportés et assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale, je n'ai pas vraiment éprouvé de tristesse. Je suis devenu triste après, puis je suis même tombé malade au moment où le livre est sorti, mais en tout cas, c'est arrivé pas pendant l'enquête, mais bien plus tard. Et je voudrais te demander, Chora, toi qui as travaillé sur ta mère, est-ce qu'à un moment, tu as été triste ? Oui, bien sûr. Après, en effet, ce qui est intéressant, c'est les temporalités, parce que je suis d'accord sur le fait qu'il y a des temporalités comme ça en décalage. Moi, je pense que j'ai fait un travail, j'ai fait tout un parcours de tristesse, on va dire, pour arriver, avant d'arriver à pouvoir commencer à travailler. Mais une fois que j'ai commencé à travailler, je pense que la condition de possibilité de mon travail, c'était de ne plus être triste de cette façon-là. Et c'était paradoxal, parce qu'une fois que le livre est sorti, tout le monde me considérait comme triste, mais moi je l'étais plus, parce que tout ça c'était derrière, mais j'en témoigne dans quelque part, je le remets dans le livre, et donc je pense que on peut pas évacuer le psychologique, mais que il y a un jeu de temporalité assez bizarre. Fanny, non. J'ai été très frappée dans l'un des extraits de Nicolas Maille. Je ne sais pas si Nicolas, vous êtes toujours avec nous. Non. En tout cas, il disait à... Oui. Vous disiez, je crois, à cette jeune femme nigériane, « Je ne suis pas de la police ». C'est une expression qui m'a frappée. Je me suis demandé si à un moment, les uns ou les autres, vous vous étiez posé la question de votre légitimité. Alors, qu'est-ce que vous entendez par rapport à la légitimité ? En fait, c'est la question de votre place, c'est-à-dire, on voit, vous vous définissez par la négative, vous ne dites pas « je suis anthropologue », et peut-être que, d'ailleurs, vos enquêtés ne comprendraient pas bien votre travail. Vous dites « je ne suis pas de la police », comme si c'était sur un mode défensif. Oui, non, alors, qu'est-ce que j'ai dit, c'est que je travaille pour l'université, extrême condition des défavorisés, je veux dire marginalisation. La police, malheureusement, c'est partie du problème et pas partie de la résolution. Parce que
la mise en place des dispositifs contre la traite des êtres humains, finalement, est connivente avec la mise en place des dispositifs répressifs par rapport à la migration. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours... moi, je dois tout de suite me positionner par rapport à qui je suis universitaire et qui je ne suis pas policier client. En plus, dans l'extrait du film, ce qui est intéressant, c'est que quand je quitte cet endroit où on fait cette première rencontre, on regarde les filles qui parlent de moi et elles disent oui, il dit qu'il travaille à l'université, donc il doit être blindé quelque part, il va revenir, tu vois. Et elles font des blagues entre elles pour dire que peut-être que je ne suis pas vraiment qu'universitaire, mais peut-être que voilà, je suis un bon client quelque part. Donc, mais l'enquête, vous voyez, l'enquête est un mot commun aux chercheurs et aux policiers. Au fond, vous aussi, Chora et Yvan, vous êtes d'une certaine façon en concurrence avec des journalistes qui font aussi leur enquête, avec des policiers qui font aussi leur enquête. Est-ce que ça a été si simple à la fois de se différencier et de trouver son mode d'expression en tant qu'anthropologue ou historien ou sociologue ? Je ne me sens pas en concurrence avec d'autres enquêteurs. Je pense qu'on fait à peu près le même métier, mais selon des modalités, des temporalités et des méthodes un petit peu différentes. Mon enquête est une méta-enquête, c'est-à-dire que c'est une enquête qui repose sur d'autres enquêtes. En l'occurrence, l'enquête de la gendarmerie, l'enquête du médecin légiste, l'enquête des journalistes, l'enquête en quelque sorte des avocats qui mènent une enquête à leur manière. Et moi, je suis arrivé en dernier, c'est pourquoi j'ai fait une méta-enquête qui repose sur d'autres enquêtes. Par ailleurs, je suis d'autant moins dans une situation de concurrence avec un journaliste, un grand reporter ou un juge, que nous posons tous des questions au réel auxquelles nous essayons de répondre avec des sources. Et en ce sens, nous sommes comme les êtres humains et les chimpanzés, ils descendent du même ancêtre. Alors je ne dis pas qui est le singe et qui est le chimpanzé et qui est l'humain, je veux bien jouer le rôle du chimpanzé, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, on est tous cousins. Répondre à Chora, oui. Moi, j'avais une question pour qui est un petit peu qui rebondit un peu sur cette discussion pour Yvan Jablonka. En fait, c'est extrêmement drôle parce que, enfin, c'est le hasard veut que je faisais une enquête sociologique dans un bureau d'aménagement des peines au moment où a eu lieu toute la polémique. Parce que c'était la question de l'aménagement de la peine aussi autour de ce tueur. Et aussi toute la polémique et la réponse et la grève des magistrats. Donc moi, cette affaire, je l'avais suivie sur le coup dans le bureau d'une juge d'application des peines. Et qui était au syndicat de la magistrature, donc qui était quelqu'un de très libéral, dans une protection des libertés individuelles, etc. Mais quand j'étais tombée sur la couverture du livre Laetitia, avant même qu'il ne sorte, j'étais complètement frappée par la façon dont ce regard qui avait été développé là était un angle aveugle absolu de tous les débats, et pourtant il y en a eu énormes, qui avaient lieu à l'époque, pas si longtemps auparavant. Donc en fait, ma question, c'était de savoir comment est-ce que ce livre, qui une fois que les choses sont posées de la façon dont vous l'avez posé, c'est-à-dire sous l'angle de la violence structurelle et masculine, les choses paraissent relativement évidentes, quoi, mais avant que les choses soient dites comme ça, c'était totalement absent. Donc comment est-ce que ce livre a été reçu de la part de gens qui s'intéressaient beaucoup à ces questions, qui sont engagés énormément dans ces questions, mais est-ce qu'il y a eu cet effet de révélation ? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des réceptions positives au sein de la magistrature et plus largement au sein du monde de la justice, parce que tous ces personnels de justice ont eu le sentiment que quelqu'un essayait de comprendre leur travail. Je ne suis évidemment pas le seul, mais en tout cas, c'était une époque de grande violence symbolique qui s'exerçait contre les gens de justice et en particulier contre le personnel du tribunal de grande instance de Nantes. Et d'ailleurs, la grande grève nationale s'est tenue à Nantes. Plus largement, j'entends ta question comme
une interrogation sur ce qui fait histoire. Et une des choses qui nous réunit ici, c'est les sciences sociales. C'est aussi, bien sûr, les modes d'écriture novateurs, mais c'est aussi les sciences sociales. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui fait histoire dans la vie et la mort de Laetitia? C'est pas évident de répondre à cette question. Et certains pensent que j'ai écrit un livre sur un fait divers. Et rien n'est plus faux. J'ai écrit un livre d'histoire sur une société, la nôtre, et sur une jeune femme. Donc, en l'occurrence, ce qui fait histoire, c'est la grande grève de la magistrature en février 2011. C'est aussi l'affaire d'État qui est devenue ce fait divers, c'est l'échec du suivi socio-judiciaire d'un homme qui était manifestement dangereux. Mais je crois que l'histoire se niche aussi dans l'existence de Laetitia. Et ce sont deux faisceaux qui se rencontrent au sein de son existence et aussi au sein de sa mort. C'est d'une part les violences subies par les femmes, le continent des violences subies par les femmes qui sera en quelque sorte révélé de manière planétaire un an plus tard avec MeToo, et deuxièmement la vulnérabilité des enfants. Et donc c'est au croisement de ces deux faisceaux, les violences subies par les femmes et la vulnérabilité des enfants, que la courte existence de Laetitia Perret fait histoire et donc nous intéresse. Merci beaucoup. Je propose qu'on ouvre notre réflexion à la salle et qu'on prenne quelques questions. Oui. Bonjour et merci à toutes. Merci à toutes. J'avais une petite question pour Fanny par rapport au sonore. Enfin, peut-être que je peux enlever le masque. Par rapport au sonore et par rapport à la place de l'auteur, et vous avez parlé du travail en équipe aussi, et le sonore peut-être un peu moins que le cinéma, mais un peu plus sans doute que la littérature ou la photographie, c'est un médium de travail en équipe. Et est-ce que en travaillant avec cet outil-là, il y a une place différente de l'autrice ou de l'auteur que vous êtes et des autres personnes avec lesquelles vous collaborez, que lorsque vous faites peut-être un travail seul ou quand on fait un travail seul? En fait, ce qui est vraiment intéressant au sein du collectif Conforme à Copie Carbone, c'est qu'on est plusieurs auteurs et autrices à créer ensemble un projet où tout le monde est auteur-autrice à part égale. Donc, il n'y a pas un ou une porteur de projet, porteuse de projet, et par exemple, je fais appel à une preneuse de son ou un chef opérateur pour m'aider, mais en fait, on va vraiment créer quelque chose ensemble. Et du coup, la création devient presque un dialogue, devient une manière en fait de parler à plusieurs, et du coup, presque chacun dans sa langue, chacune avec ses influences artistiques. Il y en a qui viennent plutôt de l'image à la base, d'autres de la radio, d'autres qui sont aussi sensibles à l'écriture littéraire, etc. Et ce qui est beau, c'est la rencontre de ces sensibilités-là et de fabriquer quelque chose en sachant que ça va être un fragment dans quelque chose de plus vaste. Et donc de penser à des résonances possibles, de faire comme des formes ouvertes en fait, qui peuvent se combiner entre elles et créer une forme plus vaste. Et moi, personnellement, en tant qu'autrice sonore, je trouve ça vraiment intéressant de sortir aussi de cette modalité, c'est vrai, individuelle de l'écriture, parce qu'en plus en radio, enfin en documentaire radio, on peut vraiment partir seul et mener un projet comme ça, mais je trouve que l'écriture collective apporte beaucoup, y compris en documentaire. Oui, on a une question en bas, si on peut avoir un micro. Oui, bonjour aussi, merci à toutes et à tous. Moi, c'était encore une question pour Fanny Deschamps. Là. Est-ce qu'il y a eu, à part Radio Grenouille, des rendus de votre travail sur la plaine, dans le quartier? Fanny Dujardin. Oui, pardon, excusez-moi. Bon, est-ce qu'il y a eu donc des rendus, si vous voulez, donc indépendamment de Radio Grenouille, et tout le monde n'écoute pas Radio Grenouille, mais est-ce qu'il y a eu, après votre travail, est-ce qu'il y a eu des moments de rendus sur les habitants, sur l'ensemble, sur l'environnement, si vous voulez? En fait, il y a eu des séances d'écoute à Marseille,
Et nous, c'est une forme qu'on essaye aussi de développer parce que le documentaire sonore se diffuse à la radio, se diffuse sur Internet, sur des plateformes d'écoute. Mais on aimerait aussi qu'il puisse être diffusé plus dans l'espace à la manière dont on regarde des films dans des salles. Et donc, il y a eu des séances d'écoute de ces travaux-là sur place quoi, à Marseille. Il y a eu aussi, au moment de cette lutte de la bataille de la plaine, il y a eu aussi une radio avec quelque chose qui était très suivi au jour le jour et une sorte de journal de la lutte radiophonique. Et après, plus tard, des séances d'écoute où ces archives étaient retissées pour faire une forme de documentaire. Et question très, très concrète, est-ce que les artistes sonores parviennent à vivre de leur documentaire ou pas du tout? Alors, c'est une vaste question. Je peux donner juste quelques éléments. En fait, la création radiophonique souffre, on va dire, d'un manque un peu de financement, et c'est des débats qui ont cours en ce moment entre la SCAM, qui s'occupe des droits d'auteur pour le documentaire, le ministère de la Culture et les acteurs et actrices de la création sonore et du podcast. Et du coup, il y a un débat autour de la création possible d'un fonds d'aide à la création radiophonique qui est en cours et que, en tant qu'autrice, j'appelle de mes voeux. Mais en tout cas, ça reste assez compliqué quand on n'est pas dans des... Enfin voilà, même pour les auteurs et autrices de Radio France, c'est compliqué, ou d'Arte Radio, etc. Nous, on a décidé de faire ces créations collectives de manière bénévole. C'est un peu nos temps d'expérimentation, on va dire, et de création collective comme ça. Et après, on essaye de développer avec l'association Copie Carbone petit à petit. On se structure pour pouvoir capter des subventions lors d'appels à projets, pour pouvoir faire des fiches d'intermittence, etc. Et donc, pour nous, c'est un peu le début d'un processus où on essaye d'imaginer un modèle économique petit à petit, sachant qu'on a plutôt commencé par faire ça de manière bénévole. D'autres questions? Oui. Oui, nous avons un micro. Peut-on déplacer un micro? J'ai une question pour Yvan qui va peut-être être un petit peu difficile. Je comprends bien dans la manière dont vous présentez votre ouvrage qu'il s'agit en effet d'un livre d'histoire, mais d'un livre aussi politique. En quoi le film, puisqu'il est basé, je ne me souviens pas exactement de l'expression qui est utilisée, mais sur votre livre, donc qui n'est pas un livre sur un fait divers, qui d'une certaine manière n'est pas sur l'événement qui entoure la mort de Laetitia, en quoi le film participe de ce même engagement? Je ne sais pas si c'est très clair. En quoi le film, si vous voulez, est un prolongement ou un déplacement ou une traduction de votre travail et pas un film sur le fait divers Laetitia? Merci pour cette belle question. C'est difficile pour moi d'y répondre, pas parce qu'elle est complexe, mais parce que j'ai assez peu participé au film, en fait. Et il faudrait demander, bien sûr, à Jean-Xavier de Lestrade. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait toute confiance à Jean-Xavier de Lestrade, puisque c'est moi qui ai choisi l'équipe qui mettrait en scène mon livre. Il y avait plusieurs équipes, et j'ai discuté avec tout le monde, mais c'est Jean-Xavier de Lestrade qui m'a le plus plu, parce que je savais qu'il serait fidèle à mon livre, mais encore plus important, à la mémoire de Laetitia. Et je le savais parce qu'il m'en a parlé avec honnêteté, avec authenticité, mais aussi parce que Jean-Xavier de Lestrade est un grand cinéaste de l'enfance, de la jeunesse, du social et de la justice. Autant dire les quatre choses qui comptaient dans mon livre et bien sûr dans la vie de Laetitia. Au sens technique, sa série est une fiction. Alors quand les agents m'ont dit on va faire une fiction, j'ai dit non, il n'en est pas question, c'est pas une fiction. Et ils m'ont dit non mais attends, calme-toi, une fiction ça veut dire que des comédiens incarnent une histoire qui peut être vraie ou pas.
Bon, alors j'ai dit d'accord, si c'est ça, d'accord. Puis ensuite, j'ai un petit peu discuté avec Jean-Xavier de Lestrade, qui m'a expliqué qu'en effet, une fiction au sens technique, c'était simplement l'incarnation par les comédiens d'une histoire, quelle qu'elle soit, en l'occurrence celle de Laetitia. Et puis, quelques mois plus tard, il m'a dit, toi, tu apparais dans le livre, mais tu n'apparaîtras pas à l'écran, est-ce que ça t'embête ? Donc j'ai dit, ça n'a aucune importance. Et en fait, le personnage du gendarme dans le film recoupe en réalité le vrai personnage du gendarme, c'est-à-dire de l'enquêteur, et l'historien, c'est-à-dire moi-même. Tant mieux, enfin, ça ne m'a pas du tout dérangé d'être absent de la mise en image. En tout cas, le résultat m'a paru très à la hauteur de la mémoire de Laetitia. Je pense qu'elle aurait été très très fière d'être l'objet d'un film. Mais enfin, bon, tout ça est un petit peu tragique dans la manière dont ça résonne. Et plus largement, je pense que c'était une manière de mettre en image la vie d'une jeune femme et plus largement de toucher un public infiniment plus large que celui que j'avais touché. Donc je pense que la meilleure réponse que je pourrais vous faire, c'est que c'est une manière de toucher un autre public, et c'est une manière d'aimer et de faire aimer Laetitia autrement. Et en ce sens, c'est une totale réussite. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Oui ? J'aurais une question pour Nicolas. Nick, je ne sais pas si c'est moi qui ai loupé ou si c'est tu n'as pas eu le temps d'en parler, mais pour Normal, est-ce que on a entendu des témoignages, enfin, la bande-annonce nous montre des récits en fait à la première personne. Qui sont ceux qui parlent à l'écran en fait ? On ne vous entend pas, micro, Nicolas. Bon. Voilà, pardon. Oui, merci pour cette question, Chara. Alors, dans le cadre de Normal, c'est des comédiens qui ont reproduit des vrais entretiens que j'avais réalisés avec des vraies personnes. Donc, c'est ça la situation. Donc, c'est des récits, c'est des vrais récits, mais ils sont joués par des comédiens pour pouvoir justement donner de la présence et montrer des récits incarnés plutôt que désincarnés et donc sans tout la dimension affective et interpersonnelle qui est à la base de la création de la connaissance. C'est pour ça que j'ai voulu fortement reproduire cet échange ethnographique avec la fiction. Bien, merci à tous. Avant de nous quitter, peut-être, pouvez-vous nous dire les uns et les autres où est-ce qu'on peut éventuellement voir votre film ou vos documentaires sonores s'ils sont disponibles ? Oui, alors pour le collectif Copie Carbone, il faut aller sur le site copiecarbone.fr et sur la page SoundCloud qui correspond, et notre documentaire L'Échappée sera diffusé sur Bandcamp, une autre plateforme dédiée à la musique et à la création sonore, à la page Carotte Sauvage. Donc il faut chercher ça sur Bandcamp, carottesauvage.bandcamp.com. Merci. Nicolas, c'est possible de voir vos films ? Pas trop, malheureusement. Ils sont sur mon site Vimeo et ils sont aussi disponibles dans les catalogues de Canopy.com qui normalement fait partie des catalogues des bibliothèques universitaires, parce que mon film sont beaucoup utilisés par l'enseignement des questions des genres et sexualité par rapport à la migration. Mais j'espère de pouvoir trouver des distributeurs et des façons pour les voir en ligne. En tout cas, si on m'écrit sur l'email, je vais donner une possibilité aux gens de les voir. Eh bien voilà, l'appel aux distributeurs est lancé. Yvan, on peut toujours voir la bande-annonce sur YouTube, on l'a vu, on peut aussi se procurer votre livre, bien sûr. Laetitia, qui est toujours trouvable dans les bonnes librairies. Et puis, Chora, je l'ai dit, votre film Itch sera diffusé
à 18h30 à la Baleine ce soir. Il sera en concurrence avec une autre manifestation à laquelle je vous invite tous aussi à vous rendre. Une performance anthropologique, artistique, participative dans la cour de la Vieille Charité. Et puis, puisque j'en suis aux annonces avant de nous quitter, je vous signale aussi que le diaporama sonore de Camilo Léon Kidjiano est désormais accessible dans le forum avec le son. Merci à tous pour votre attention et pour vos questions. Merci encore d'avoir associé la revue Sciences Humaines à cette manifestation. Il y aura un grand reportage d'Hélène Frouard dans un prochain Sciences Humaines et on vous tiendra bien sûr informés. À bientôt. Au revoir, merci. Avant que vous partiez, merci à tous vraiment d'avoir passé cette journée avec nous. Et donc, le festival n'est pas terminé. Comme vous le disiez, rendez-vous à 18h30 à la Vieille Charité avec les musées de Marseille qui organisent donc cette clôture pour la performance « Rêvons ensemble ». Donc, coucher de soleil pour finir en rêve tous ensemble cette journée. Et je ne veux pas la finir sans remercier Myriam Gris, Céline Persigny, Ariane Guy, Sophie Lemercier, la régie, Nicolas, Julia, Julien, Eric et bien d'autres, j'en oublie, sans qui eh bien, on n'aurait pas pu se réunir aujourd'hui et en tout cas pas dans les conditions qu'on a eues. Voilà, à 18h30, là, vous avez droit à une petite pause, coucher de soleil, lumière. Et merci beaucoup aux intervenants.